Mes cheveux sont flamboyants. Putain, ouais, ça, flamboyant, ouais. Bon, t'es pas avec moi là. Ah là là. Attends, je regarde. Non, effectivement, le serveur n'a pas pu se connecter de je sais pas quoi, de mes couilles. Ah. Bon, je vais préparer le bateau pendant ce temps, moi. Et du coup, Commencer je à mettre fais des bananes. se connecter. Ah, mais j'avais pas Des mis le boulets de nom sur. canon. Hop. Des. Ça, on s'en fout. J'ai 70 000 balles, faudrait que je pense à m'acheter des trucs là. Genre quoi? Genre une coque ou des vêtements pas de pauvre. Une coque pour téléphone? Oh là là, mais quelle blague, mais cet humour! C'est fou! Alors là, je peux plus te rejoindre parce qu'il me dit que t'es dans le menu principal du jeu. Mais pas du tout, je suis en jeu là. Bah oui, je me doute bien. Alors attends, je reclique sur toi. En train de naviguer. J'attends 15 minutes qu'il affiche le truc. Allez! Ou je peux t'inviter Allez! moi? Non, bah non, si je t'invite, toi t'es en partie, donc c'est con. Bah ouais, ça marche pas bien. Pourquoi il m'affiche pas le bouton pour te rejoindre? Il est stupide. Vas-y, je fais le plein de planches, de trucs comme ça là. Petit équipage de sloop. Moi, je vais pas le lever l'ancre. Mais il est con, pourquoi il Bah me laisse non! pas jouer? Attends, je rouvre le truc Xbox. C'est toujours la galère de jouer à ce jeu en fait. Enfin, sur ce Ouais, système-là, une fois qu'il est lancé, il marche bien. j'ai l'impression que c'est leur Xbox à la con là, leur matchmaking un peu pourri. Je pense que ça marche bien, mais sur la Xbox. C'est pas impossible. Je peux pas te rejoindre, je sais pas pourquoi il m'affiche pas le bouton. Alors je peux essayer de relancer le jeu, mais. Alors attends, est-ce que moi je peux pas t'inviter? Depuis la Mon partie en équipage. cours, je sais pas. Attends, je vais regarder. Xbox, Pof Magic Finger, Ça, dans c'est le moi, menu ça. principal. Ça, c'est totalement moi, ça. Je reconnais mon nom. Je t'ai invité là normalement. Bah, j'ai rien reçu pour l'instant. Non, bah, d'habitude, ça me met un pop-up avec marqué Hey, il vous invite. Mais pas du tout, voilà. Oh, relou ce truc là, putain. Eh bien, inviter un groupe là, ça marche pas ça? Invitation envoyée. Mais je reçois rien. Et si moi je clique Mouchou. là, mais ça fait inviter un groupe. Là il t'a envoyé un truc ou pas du tout? Ouais, tu m'as invité à chatter. Ah mais non, j'ai pas envie de chatter avec toi. Ça Alors du coup, paraît sale en plus. J'accepte. Mais non, mais on va s'entendre en double. Ah ouais. Tu m'entends en double? Ouais. Bah moi non, donc c'est déjà ça. Je quitte le groupe. Et Cool. si... Attends, et du coup là... Ah! Non, tu m'invites à chatter, mais je m'en fous de ça. M'invite pas à Ah, c'était chatter. ça. Ah, ok, ben alors voilà. Ah merde, fais chier, j'avais fait le plein du bateau là. Attends, je regarde s'il n'y a pas de l'espoir quelque part. Sea of Thieves, jouer. Mais je suis déjà en train de jouer. Je veux jouer avec quelqu'un. C'est possible ou... Ami. Ami jouant. Un problème est survenu pendant ses... pour aller chercher ses infos. Je pense que c'est pour ça qu'il galère. Est-ce que si je fais ça, inviter des amis, est-ce que je peux t'inviter alors que t'es déjà en train de jouer? Mais du coup, ça va virer le plein du bateau. Bah, je sais pas, essaye, hein. Alors, j'ai accepté. Et il se passe rien, c'est ça? Il se passe que dalle. Putain, Putain. mais moi je peux pas te rejoindre. D'habitude j'ai toujours le bouton rejoindre. Là j'ai relancé le truc deux fois et il y est pas. Bon, bah, tu sais quoi, je vais quitter la partie. Voilà. C'est embêtant, mais bon. Relance ton jeu à la limite. Bah je l'ai relancé il y a 2 minutes. Est-ce que je le 40... re-relance? 45 minutes pour jouer. Attends, là, je vais faire. Je te réinvite là.
Ah, tiens, je peux te joindre là. Il me met joignable. Ah, mais c'est le groupe. Attends. Attends, je Tu t'invite. m'invites? Parce que là, je pouvais rejoindre Sea of Thieves. Non, vas-y, là t'as reçu une invitation, non? Ouais. Et là, je fais oui. Et il me dit, vous êtes en train de rejoindre, voulez-vous continuer? J'ai cliqué sur oui. Ouverture du registre. El registro. En attente du Ah, départ. là je te vois. Ouais, moi aussi. On se voit bien. Là, j'ai lancé. Ouais, je vois ça. Bon, bah du coup, tu peux follower la chaîne là si tu veux voir l'animation. Ah, ça y est, c'est... Ah ouais! Mais oui, attends, on est en live. J'ai les cheveux vraiment pas beaucoup bleus en fait. Quand ils ont l'air gris sur la vidéo. T'as combien de délai? Je sais pas, il y a entre 10 et 40 secondes. Et là, ça devrait apparaître à peu près maintenant. Non, là t'es en train de faire du alt tab à fond pendant que ça charge. Là, ah ouais, d'accord, mais c'est vachement labour quand même. Là t'es arrivé dans la taverne. Ben non, je suis pas arrivé dans la taverne. T'es pas en train de regarder le direct, je crois. Ah putain! Hein. Et pourtant t'es avec moi et tout quoi, c'est quoi ce merdier là? Attends. Tu voudrais dire que j'ai raté le... Ah peut-être qu'elle y est pas parce que... C'est pas grave, tu peux unfollow et refollow. Ou si tu veux, je peux la Si mais... relancer aussi. Mais c'est le direct hein, c'est le direct. Mais je suis jamais rentré dans la taverne. C'est T'es pas dans la taverne là? encore en train de charger. C'est pas possible que ce soit le direct. Il est con quoi. Ah, là c'est le direct. Hop, petite pub qui va bien. Attends, j'ai rejoué l'animation pour que tu puisses la voir. Là, je suis dans la taverne. Ah oui, j'arrive pile pour l'animation. Ah mais excellente. Ouais, en plus, tu peux choisir, mettre les gifs que tu veux. Donc, je voulais mettre Jean-Marie Le Pen, mais. Mais finalement, Ah mais non. pas assez consensuel. Alors, j'ai pris des bananes. Je Pourquoi il y vais. a zéro spectateur et moi je compte pas comme spectateur là? Bah attends, je vais refresh le truc et tu vas voir qu'en fait on a des milliers d'auditeurs. Merde, j'ai mangé la banane. Non, on en a zéro, tu comptes pas. Je sais pas pourquoi. On n'est pas sur la même île que d'habitude, c'est pas souvent sur celle-là. Hein. Ouais, mais elle est pas mal. Ah merde, je t'entends Alors, en double. parce que t'as pas muté dans le jeu, peut-être. Peut-être, je sais plus comment on mute, attends. Tu fais échappe et équipage, je crois. Putain, mais c'est la. C'est l'île où j'étais il y a 2 secondes quand je t'attendais tout à l'heure et que tu buguais. Ah ouais? C'est marrant, ça, quand même, hein. Vas-y, t'as pas des bananes? T'as pas des Ouais, mais bananes? c'est nul si je mute les gens parce que. Attends, mais je vais te muter que toi en fait. Ah, là maintenant je t'entends en double. Là, tu m'entends en double? Et là? Ouais. Ouais. Moi, je t'entends plus en double. En Ah, fait. mais c'est moi qui t'entends en double maintenant. En fait, tu devrais me mute comme je t'ai mute. Mais t'es mieux. Bah, peut-être pas, hein. Parce que j'ai l'impression que c'est mal branlé et en fait, il faut aller muter les Voilà. gens indépendamment parce que quand je mutais l'équipage, ça marchait pas. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez Et hop, on pose les bananes, les planches. en plus de ça, je suis censé être en push to talk et ça a évidemment ne pas marché. Ça n'a évidemment pas marché. Ah ouais. Est-ce qu'il reste des bananes là quelque part? Ben j'en ai, si tu veux, je peux t'enfiler. Mais enfin, je sais pas si je peux t'enfiler d'ailleurs. Ben, je les fous Moi dans je. un tonneau. Non. Ouais, tu le mets dans le tonneau. Ouais. Moi j'ai tout stocké dans le tonneau là, je vais essayer, je refais un tour vite fait, voir s'il n'y en a pas d'autres. J'ai pas trouvé de boulet, par contre. Je sais pas trop où les Là, trouver. il reste 5 bananes dans ce tonneau. Les boulets, je crois que je les ai tous vidés. Non, là, il y en a aussi. Hop, Tu les hop, trouves hop, vers hop. où les boulets en fait? Bah, dans les tonneaux, un peu partout. Là, au tonneau sur ma droite, là, t'as. Ici, là, tu as des bananes. Tu peux prendre les 5, comme ça, c'est Merde, cool. ouais mais non parce qu'en fait j'ai pas posé celle que j'avais, parce que je suis un trou de Ah, balle. d'accord. Non, mais c'est pas grave. Oh ça va hein? Tu seras content d'apprendre que y a un viewer sur Twitch et c'est sûrement toi. Ah, ça y est, je compte. Tu comptes pour nous. Tu comptes. Compte. Où est-ce qu'elles se Allez hop. mettent les bananes?
mais t'es paumé, elles sont là. Où ça? Là. Mais t'es monté là? Ah non. Non, non, en bas là, là, ce tonneau là, en bas. Mais je vois là, rien. Tu es là. Ah là, c'est oui, effectivement, ouais. Putain, mais moi je suis mauvais aussi. Ah putain, mais il y a un truc de bouffe dessus. C'est parce que je suis un peu vraiment très mauvais. Mais un peu seulement. Un peu très mauvais. Allez, tu t'en vas là? Ouais. Hein? Tu partais? Non, non, je lave juste l'encre. Parce que j'allais chercher les bananes qui manquaient du coup. Yes. Et d'ailleurs, il faudrait. Ah non, mais c'est bon, j'ai des. Ah non, mais c'est pas toi qui compte pour le viewer Twitch, là c'est. Orao. Allez! Ah, moi j'ai deux d'affichés. Deux. Ah et bon. Bonsoir. Warhaw, c'est. Warhaw, c'est. C'est la sœur de Kish, ma copine. Des cœurs! Tiens, on va mettre ce. Ou alors, ça peut être son frère. Parce que son frère. Avait pas d'imagination et a volé le pseudo de sa sœur. Ça c'est. C'est très compliqué parce que du coup quand ils arrivent tu sais pas qui te parle. Bon en général c'est quand même la sœur et pas le frère parce que je sais pas. C'est un motif de guerre ça de piquer le pseudo. Bah apparemment non. Qu'est-ce qu'on fait, on s'en va? On a une quête ouais. Ou. J'ai mis ouais vas-y vote. Merde, je suis descendu trop bas. Putain mais je suis mauvais ce soir là, comme tous les autres. Putain, mais c'est nul, il y a qu'un coffre, sérieux. Alors, brillant trébuchant malodorant sur Shipwreck Bay, mon magot l'opportuniste. Attends. T'es dégoûté, c'est moi qui ai la carte. Bah non, c'est bien. Allez hop, c'est bon, là, elle est bien. Sud. Ouais, sud, t'es. Ouest. Bah en fait, on est pile dessus. Plein sud. Plein sud, quoi. Plein sud. Ah oui, plein sud, pas ouest. J'ai bien fait de tourner là. Oro dit sur le chat, non, lui c'est un crevard. Bah en fait, typiquement sur Discord, j'ai deux fois le même nom quoi. Avec juste, il y en a un, il y a un 0 et l'autre c'est un O ou un truc du style. Ouais, bon, tu sais jamais lequel est le vrai, quoi. C'est ça. Après, les deux sont casse-couilles, donc de toute façon, je leur parle pas, mais. Ah putain, elle est relou cette île là pour accoster, c'est un peu la merde à chaque fois. Je vois pas laquelle c'est. Mais. Bah, droit devant là, en fait, t'as des récifs tout autour, c'est un peu. Ouais, je vois, mais. Je veux dire, j'ai jamais accosté dessus, quoi. Putain, je vais faire une descente de ouf là. Manche à couilles, mon frère, et toi aussi, Nab. Voilà. Je sais pas trop par où on va l'aborder, du coup. Eh, mais t'avais un cache-œil, toi, la dernière fois? Eh ouais. Putain, j'ai jamais fait gaffe. Alors, ça part en couille, là, hein. Un peu. En fait, je voulais... Moi je fais semblant de faire des trucs utiles et je remonte un peu la voile. Bah en fait c'est utile parce que... Ouais, vas-y va tout droit, fonce tout droit, on va essayer de se mettre quand même... C'est utile parce que du coup on gagne en maniabilité et en plus de ça j'ai du lag donc autant réduire la vitesse. C'est bien d'avoir du lag avec la fibre optique quand même. Bah moi ça me ferait un peu chier perso. Mais... Ah, c'est ça. Non moi j'aime bien. Non je kiffe. Ça me rappelle mon bon vieux 56K. Ça me rappelle quand j'avais pas internet et que j'utilisais un modem. GPRS. On était trois en France à faire ça. Ok, d'accord, d'accord. Je vais tourner un peu parce que j'ai envie. Alors là, ouais, ouais. On s'arrête? Vas-y, braque à mort, braque. Ah. Tu braques ou... Ouais, ouais. J'aurais pas braqué comme ça. Bon, comme d'accord, ça passe. On fait un petit demi-tour, hop. Voilà, parfait. Bon, je vais y aller en canon parce que j'ai envie. Vas-y.
Alors, il y a une grotte. Non, c'est pas une grotte, il y a un feu. Avec des munitions, donc on s'en bat les couilles. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? En dessous des restants coches du mutin. En tout cas, il n'y a rien de très dangereux aux abords immédiats. Alors, c'est quoi la suite? En Il faut dessous trouver. des restes en cache du mutin. Je me dissimule. Relisez ceci pour voir la formule. Des restes en cage, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, là, il y avoir un squelette dans une cage. Tu penses que c'est ça? Je sais Ouais. pas. Parce qu'il y a une épave ici. Donc c'est peut-être ça. Hein. Et il a pas dit en dessous de l'épave. Oui, mais. Alors, ah, mais il y a une épave qui descend. Il y a une épave, il n'y a pas de genre une comment ça s'appelle? Une prison dans ce genre de d'épave de Gaillon? Non, il n'y a pas. Ah. Ah. Et puis ça peut être en Oh. cage, genre enfermé dans un dans du bois quoi. Écoute, pour l'instant je trouve rien. Mais il y a quand même des jolies épaves. Et je me suis coincé dans un mur. Ah. Je sens qu'on va nous saouler ce truc. Bon, là, Parce c'est qu'il a dans dit à l'eau, ça, tu l'ouest. Là, je suis parti sur la petite île à l'ouest. Bon, il y avait les tonneaux. vois. Qui c'est qui a Moi, dit j'ai à l'ouest? récupéré deux. Ben, sur le bordel là. Sur la map. Ah oui, putain, j'avais même pas. J'avais zappé complètement cette info, quoi. Là là. Et où tu sais où est l'ouest, toi? Ah oui, on y a une boussole, je suis débile. La boussole. Ok, bah j'arrive. J'arrive à l'ouest. Ouais, j'ai fait toutes les petites îles là pour voir. Donc reste sur la principale. Ok. Ah, il y a plein de poules ici. Bon, j'ai trouvé des Mais boulets de canon, mais à part c'est ça. moi où on entend des boulets de canon là. Ah non, c'est un orage. Ouais, parce que j'entends rien. Putain, en plus on va prendre un orage. C'est Ah quoi? là là! C'est gênant, l'orage. Bah, attends, est-ce que je suis toujours à l'ouest là? Ah, c'est Non, peut-être pas en du haut tout. là, il y a une tente. Qu'on est mauvais, putain. C'est vrai. Ça, c'est bien vrai, ça. Non, j'ai trouvé. Il y a effectivement une cache, mais il n'y a aucune lumière en fait. C'est fait exprès. C'est pas très accueillant, hein. Ça a débloqué la carte ou pas? Je vais regarder. Oui, ça, putain, elle fait de la lumière. À l'ancre Alors. reposant sur la pierre. Ça te l'a Trouvez débloqué des aussi, restes j'imagine. de Black Wish. Brandissez votre flamme un peu en repos. Ok, donc là il faut aller à l'épave. Trouver Qui est son encre. à l'opposé, qui est à l'est. Attends, parce que j'imagine qu'on va croiser des squelettes maintenant. Par contre, il dit brandissez votre flamme et je vois pas trop comment on peut faire. On a Faut que des tu allumes torches, ta quoi. lanterne. Ah, on a une Alors lanterne. effectivement, Putain, il y a les mec, tu débarques. squelettes. Bon, ce qui est bien, c'est que je découvre plein de boulets de canon et plein de bananes sur la route, donc. Ah Par oui. contre, je suis en train Voilà, mais quel homme. Alors, J'allume l'ancre, l'encre. ben là, on voit qu'elle la corde, donc ça doit pas être loin. C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Quoi que ça pourrait être ça, non? T'es où? C'est un espèce de gros truc avec un tonneau accroché. Non, tu penses que c'est une ancre en métal? Je sais pas, vas-y, c'est quoi ton truc là? Là, en plein milieu. Mais c'est un bout de truc, hein. C'est, je sais pas ce que c'est, quoi, c'est tout. Ah ouais, non. C'est pas trop une encre ça. Bah, franchement, moi, si j'avais pas de thune et que je devais me faire une ancre. Ah mais attends, reposant sur la pierre. Pense que c'est pas ça. Elle est où la lanterne? Tu penses qu'il faut allumer ça? On peut? On peut pas. Putain, bah heureusement qu'il y a personne dans les environs, sinon ils auraient eu 100 fois le temps de nous baiser là. Rien de spécial. Je vais retourner vers l'épave elle-même. Écoute, c'est pas parce qu'on est lent qu'on est mauvais. Ouais, c'est juste qu'on est stratégique.
Exactement. On est réfléchi, nous. Mais attends, mais en même temps, il y en a pas plusieurs épaves. Bah, moi j'en vois qu'une. Check vite fait les environs là, y'a pas. Pas de menace, pas de menace. Bah, j'en vois pas. Parce que, genre là-bas sur la petite île, y'a. Y'a des... y a d'autres épaves là en fait, sur les îles alentours, mais. Ouais, mais en fait, y a... Ah, j'ai trouvé, je pense, parce que là, y'a deux squelettes. Ouais, mais on... comme on cherche une autre. Oui. Fous de ma gueule. S'il y a deux squelettes, c'est qu'ils protègent un truc, connard. Ah, mais des squelettes vivants. Oui. Oh, c'est toi qui tires? Non, c'est un gars qui me tire, un squelette qui me tire dessus. Que j'avais pas vu d'ailleurs, et du coup, je me suis retrouvé un peu comme un con. Mais il m'a pas trop fait mal. Mais alors, il apparaît de là, donc elle doit pas être loin. Parce qu'écoute, je commence à bien connaître le jeu. Et quand il y a des méchants, il y a des trésors. Bah, c'est bizarre quand même. Sur un rocher, ils disent. Non, mais attends, ça c'est pas. Attends, c'est quoi la phrase exacte? L'encre reposant sur la pierre près des restes de Black Mekouille. Il y a un canon en haut. Il y a des trucs en haut, c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal, c'est pas anodin quoi. Pourquoi il y a un canon? Quoi? J'ai utilisé anodin, ça te fait rire? Ouais, ouais, j'avoue, ça m'a. Ça t'a bluffé. Ouais. Tu m'as stimulé sémantiquement parlant. Tu sais, moi, la stimulation sémantique, c'est ma spécialité. Putain, moi, j'aime ça. Ah, je viens de trouver le squelette en cage. Bravo, félicitations. Oh putain, un barrel de poudre. Ça j'aime. Mais je l'avais même pas vu, tiens. C'est parce que je suis pas très bon. Comment monter sur ce truc? Ah putain, ça y est, je crois que j'ai compris. C'est ce que je cherchais à faire, mais. Faut monter dans l'épave. Et regarde en haut, t'as le mât qui est couché sur. J'ai trouvé. Et franchement, c'est bien fait. Hein. Faut rentrer dans l'épave. Et dans l'épave, tu peux monter sur le mât qui te permet de monter sur le caillou. Tu vois où aller l'épave? Ouais, bah attends, je ramène le baril de poudre là. Oh bah vas-y, moi je vais chercher le coffre. Qui nous servira à nous défendre si jamais y a les méchants. À le jeter et faire ah merde. Maintenant on a plus de baril de poudre. Mais en fait, maintenant il. Avant. Ils te pétaient pas la gueule les barils, et maintenant ils font des dégâts sous l'eau. Donc il faut se méfier, tu sais, normalement tu vas sous l'eau, tu lâches un baril sous la coque et il pète, tu prends pas de dégâts. Bah maintenant tu prends les dégâts. Alors sache que j'ai trouvé des boulets de canon à côté d'un canon, et ça peut être drôle de tirer sur des gens s'ils arrivent depuis l'île. Mais c'est pas ce qu'on cherche, je suis d'accord. Non, on cherche une putain d'encre là. Alors je trouve pas d'encre. C'est notre bateau qui bouge autant. Attends, mais. Mais j'y rêve. Quoi? Bah, je crois que j'ai balancé le baril de poudre du haut du mât. À moins que t'en aies rapporté un, sans me le dire. Non. Wouah! Écoute, bah, là. Ah, mais c'est peut-être tout en haut du rocher en fait, je suis con. Mais sérieux, on perd 3 plombes pour. Écoute, là je suis tout en haut du rocher. Si je tombe, je meurs. Ok, c'est toi qui viens de te catapulter. Voilà. Il y a une autre. Un autre rocher sur lequel tu peux monter à côté du bateau, de l'autre côté en fait. Moi je suis monté d'un côté, toi tu peux monter de l'autre. Ok, c'est l'orage. J'ai eu peur. Mais sans déconner là. Et t'es monté de quel côté? Moi je suis monté du côté où il y a le mât qui touche, enfin qui fait un pont vers un rocher. Et en fait de l'autre côté j'ai l'impression que tu peux monter où il doit y avoir un moyen parce que je vois qu'il y a des planches posées sur le rocher. Enfin il y a un pont en bois quoi.
Tu vois de quoi je parle ou pas du tout? Pas du tout, parce que j'étais pas sur place en fait. Là Là, maintenant, tu es j'y sur suis. place. Je pense que t'as pas besoin de monter dans le bateau. Je pense qu'en fait, si tu vas sur le rocher qui est à côté du bateau, genre sors de sous le bateau, je vais te diriger visuellement. Non, de l'autre côté. Ah, attends, vas-y, squelette. Ah, bâtard! Tiens. Alors, tu me dis. Longe les rochers, reviens vers là où il y a des arbres. Enfin, Là, oui, ouais. là. Bah, en face de toi. En face de toi, t'as moyen de monter sur ce rocher qui est en face, normalement. Non? Et bah, il y a un pont au bout. Je sais pas à quoi il sert, mais y a un pont, sache-le. Est-ce que ça te Putain, sert à c'est quelque tout. chose ou pas du tout? Je suis tout en haut. Ok. Bah, moi aussi. Coucou. Tu vois où je suis? Salut! Ouais, je vois Et. ta. Ouais, bah oui, on voit ça. Et bah du coup, en fait, tu peux me rejoindre en prenant l'autre côté de l'épave. Tu vois le côté opposé de là où t'es? Et bah Ouais, je vois. tu peux venir ici. Alors sache que ça ne Parfait. t'apporte rien, mais que c'est un peu bizarre comme endroit, donc il y a peut-être un truc à faire. Genre, j'ai l'impression que ça peut nous catapulter sur les îles. Et j'hésite à y aller. Du coup. Mais non, mais attends, mais ça va pas être compliqué, putain, mais qu'est-ce que c'est que cette map là? Fait chier, on est rendez-vous. Alors, encore reposant sur Ah la oui. pierre près des restes du Black Wish. Comment on sait quel est Black Wish? Je sais pas, mais Bah, ça doit être ce gros truc, c'est obligé. bah oui, ça serait bizarre. Ah, je l'ai, ça y est, putain. Sérieux? Bah, en fait, c'est une ancre posée contre un rocher, voilà. Super. Voilà. Wouhou! Du coup, Putain. t'as besoin de moi ou je peux monter dans un canon et m'éjecter loin pour tester? Oh vas-y, si tu veux t'amuser. Non, mais c'est Ah juste. attends non. Ah, Ah ouais, mince. trop tard. Aux eaux entrecroisées à l'ombre du pic le plus Ah oui, grand non, se parce trouve que je suis parti Magot. très très loin quand même. Je pensais pas partir aussi loin. Non, parce que ça a emmené vers une des îles annexes et je me disais qu'il y avait peut-être un truc vu que les canons pointaient pile dedans. Attends, je suis à deux doigts de choper ce putain de trésor de merde là. Moi, j'ai fait de la merde, mais ça change pas. Quelque part. Ah, j'ai l'habitude. Ah putain, je l'ai! Félicitations. Et donc c'est. Ça, c'est beau, ça. Sans aucun doute. Je vois tout le monde qui joue à Spy Party. T'en as entendu parler ou. À quoi? Spy Party. Non, ça me dit rien. Je sais pas du tout ce que c'est, mais en ce moment, je vois plein de youtubeurs qui font genre. C'est le nouveau jeu à la mode, quoi. Spy Party. Sinon, il y a un truc qui est intéressant, enfin rigolo. C'est. Que j'ai pas testé, mais que j'ai vu en stream. C'est. Comment ça s'appelle cette merde? Putain, j'ai oublié le nom. C'est un jeu en fait où c'est un peu un mélange. Ouais, c'est Fortnite en gros, mais avec moins de construction. Plus du craft que de la construction. Et le truc, c'est que tu as le principe de show director. T'as un des joueurs qui lui dirige la caméra, va voir les gens et peut faire voter le public sur. Est-ce que lui, Ah on lui envoie des malus ou des bonus? ouais. Du coup, c'est rigolo comme principe. Putain, j'ai oublié le nom du jeu, quoi. Ah oui, Darwin Project. Ah, j'en ai entendu parler de ce truc. Ouais, bah c'est marrant. Du coup, bah je remonte dans le bateau, hein. Tu ramènes le truc? Bah ouais, ça y est, moi je suis prêt là, je cherche parce qu'on a une quête suivante. Ah, t'es Ah dans le putain. bateau déjà? Ah ouais. Bah j'y suis aussi. J'ai ramené plein de boulets de canon et tout. Pour Bien. qu'on puisse ne pas les utiliser parce que quelqu'un nous aura déjà coulé. Voilà. Putain, on en a attaqué des boulets de canon. Bah, j'en ai ramené plein aussi. J'ai des planches aussi. Putain, elle est où cette île de merde là? Je check, je vois rien autour, mais. Putain, on a paumé trois plombes pour un coffre de merde. Monter en On n'est haut pas et des pas tigres là. des tigres. On n'est pas des tigres. Quoi? Pour rien. Je fais mon ladin. Ah! Putain. Je sais pas si t'as vu le message que j'ai envoyé, mais au niveau des impôts, ils ont cru que j'avais été payé deux fois, quoi. Ah ouais? Bon bah c'est possible. Il a dû... En fait, il a dû se chier
sur le chiffre, enfin sur le nombre, et en fait, au lieu de faire modifier, il a refait une déclaration. Et du coup, moi, je vois les chiffres, puis je fais, tiens, c'est marrant, il y a deux lignes. Et j'ai failli cliquer sur OK. J'ai vérifié, j'ai fait, ça fait beaucoup d'argent quand même. Et j'ai vérifié, Ce effectivement, mec, il quoi. avait doublé mon salaire sur 6 mois, quoi, du coup. Sur les 6 derniers mois. C'est comme d'habitude. Je crois qu'en fait, il veut trop tout gérer. Et qu'il ferait mieux de perdre de l'argent dans des services de compta ou des trucs comme ça. Mais non, mais il sait rien gérer du tout. Ah, mais le mec se casse, quoi, pendant que je suis en train de regarder. Ah mais il faut rentabiliser là. Toi, tu veux rattraper la dernière fois où on a fait C'est trois vrai quarts que... d'heure. Alors, tu sais quoi, je vais rentabiliser en allant à gauche parce que sinon on va se manger le rocher. Mais non, 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 qu'est-ce que tu fais? Ça passait là, ça passait Mais large. ça passait pas, ça passait rien du tout. Tu sais, Tom va à la cruche à la mer, qu'à la fin, elle boit de la tasse. Bon, il y a trois coffres à trouver sur la prochaine île. Ah, monsieur gourmand. Ouais. Tu les as eu où? Quand est-ce que t'as démarré la quête et pourquoi moi j'ai pas eu à l'accepter? Bah en fait, on l'a obtenu en déterrant l'autre coffre. Ah, ok. Et si j'ai pas envie? Bah, tu peux continuer à faire ce que tu veux, comme t'éjecter dans l'eau avec des canons. Je vois que t'es plein de ressources, donc je m'en fais pas. Ouais, tu trouves le coffre? Moi, je fais de la merde à des canons. Ok. Et sinon, parce que pendant que Mais t'allais j'avais pas le temps de visiter, répondre que j'entends. Il t'allais est parti. visiter des îles, hein? Qui c'est qui a trouvé le mec dans la cage là? Et qui Ouais, a eu de c'est la vrai. lumière dans les yeux, qui lui montrait la suite de l'énigme. Tu sais, c'est moi qui apporte la lumière dans les yeux. Hein. Je sonne la cloche. C'est marrant, on n'a pas vu encore un seul sloop, un seul galion. Maintenant qu'on a des ballons, des barils de poudre et tout, les mecs, ils ont trop peur. Le chien, je vais te tuer. Il me lèche les coudes. Ah. On va où Putain, du bah elle est coup? grande cette île, on va encore galérer là. Mais non, on va se séparer les tâches. Moi, je vais te sauter dans l'eau avec des canons. Voilà. Et toi, tu vas chercher quoi? Attends, le haut, ok. Alors il faut se mettre au bout du gland là quand on arrive, ok? De quel gland? Attends, je vais. Celui de gauche ou de droite? Tu peux orienter la voile s'il te plaît? Ouais. Ah non, c'était bien, voilà. Oh, j'ai un temps de latence, ok. De quel gland tu veux te mettre? À gauche? À droite? À droite? celui de gauche là, ouais. Il y a une petite presqu'île. Attends, on va relever un peu là, parce qu'on va arriver trop vite. T'as des lags ou pas du tout? Parce que moi j'ai eu 2-3 lags là, à l'instant. Non. Bah moi le jeu a arrêté de fonctionner pendant une demi-seconde. Ah, il y a plein de merde sur cette île. Attends, mais il est où le téton là? On est censé foncer dessus là, ouais. T'es prêt à jeter l'ancre? Quand Ouais, je te le vas-y, dis? dis-moi. On va tenter un. Je sais pas quel téton c'était qu'il fallait qu'on vise, mais. J'attends tes ordres. J'ai été perdu. J'attends tes ordres. Ouais, vas-y. Ouais, c'est un peu tard, je trouve. Mais... Je vais descendre en bas au cas où. Ah putain, 1 mm, 1 mm. 1 mm et demi. De toute façon, il était beaucoup trop propre ce bateau. Ouais, oui. Faut qu'il Tu y ait du préfères quand vécu. il y a des... Je crois que Ah j'ai ok, donc raté c'était pas mon. ce téton là en fait. D'accord, mais c'est pas grave. Ah bah si, normalement il y a un coffre juste là. Voilà. Alors, où est la carte? Tu penses qu'il y a un coffre jusque là? Juste Ouais, là? Ah, juste putain là. de serpent de mes couilles! Tu penses Ah, il y qu'on a est une où cage là? là. Attends, il y a une cage là.
Là, on est. Quant à la map, on est. Sur la gauche. Là où il y a les deux ? De quoi ? Là où il y a les deux ? Ouais, là où il y a les deux, exactement. Ah oui, on est arrivé par le petit truc, quoi. Ok. Voilà. Il y en a un qui est là, normalement. Voilà. Effectivement. Perfect. Il y en a un qui est là, du coup, je vais chercher l'autre. Il y en a marre que toi qui découvre tous les coffres. Hein. Alors, où est l'appel ? Raté. Ah putain, qui me tape ? Ah ! T'es parti avec un ou deux squelettes. Je suis un con. Je donne un coup de pelle dans le sol au lieu de donner un coup d'épée dans le gars. Putain, je sais pas ce que j'ai ce soir, mais je suis vraiment pas très efficace. Ok, donc t'es parti chercher celui l'autre à côté. Haut, ouais. Et je l'ai. Et il y a un squelette aussi qui apparaît en même temps. C'est un coffre de capitaine, c'est bon ça. Comment tu sais? C'est un mauvais sou ça. Comment... Moi j'aime les sous. Comment tu sais que c'est un coffre de capitaine? Parce que je l'ai vu à l'icône. C'est pour ça qu'il y a 4 glandus qui sont apparus en même temps. C'est possible. Et sauf que en fait j'en ai tué deux et que l'autre il est parti en courant. J'apprécie beaucoup que. Oui effectivement c'est un coffre de capitaine. J'apprécie beaucoup que les ennemis se barrent de temps en temps. Aléatoirement. Bon là il revient, donc c'est un connard. Ouais parce qu'en fait ils vont se healer. Eh ouais, ils sont pas fous hein. Je pose le coffre à côté de l'autre. Ça te va ou. Yes. C'est bon, j'ai le dernier donc tu peux commencer à changer de bateau en fait. Putain, c'est un coffre de naufragé de merde. On va se taper les squelettes. Les. Ouais, il y a un squelette qui a encore en vie. Hein. Pourquoi il est marqué dernier chapitre? Mais je sais pas, ça à chaque fois c'est. Ah, propre, mais... parce que je pense qu'on n'a pas fini. Je pense qu'on a encore découvert une carte ou une connerie, non? Ah oui, exact. Ouais. Du coup, je pense qu'en fait, pour terminer la quête totale, il faut aller chercher. Putain de bit. Oh attends, si tu trouves un. C'est une cage à quoi? C'est une cage à poule que j'ai trouvé à côté des coffres? Je sais pas. Je vais regarder. Parce que si tu trouves une poule, on embarque. Hein. Ok. Comme ça, on la vendra au passage. Bah, je ramène pas la cage là. J'espère qu'on va pas trop se friter. Parce que bon. C'est quoi ça là-bas là? C'est pas un sloop non? Je vais chercher ça, une poule. Ah oh, putain ouais. De squelette de serpent, mais bite là. Ah je t'ai vu passer en courant, j'ai entendu le chat. Mais non, mais en plus, c'est de la merde ce truc. T'es à 5 mètres, tu te fais choper quand même. Ouais, fais gaffe à ta vie par contre. Effectivement. Je regarde, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de poule ici, hein. Il n'y a que des serpents. Ah, il y a des cochons! Et ouais, mais je crois que tu peux pas les choper si c'est une cage à poule que t'as. Bah écoute, déjà je le vois pas. Je l'entends, mais je le vois pas. Donc là, il y a encore un serpent d'enculé. Mais attends. Putain, on n'est même pas pris au départ quoi. Ah, j'ai trouvé le cochon. Ah, je te dis si je peux le prendre, si je peux pas le prendre, on se casse. Je peux non, pas je crois que c'est une cage à poule que t'as. Non, c'est définitivement une cage à poule. J'arrive. Bah, c'est pas grave, ramène la cage et puis. Oh, bon, on prendra une poule ailleurs. De hein. toute façon, on doit aller chez un connard. Là. Dans une autre île. Ouais. Et bah, d'ailleurs, on en profitera pour prendre une quête marchand comme ça s'il nous demande des poules. Non, je dis de la merde en fait. Tu veux qu'on aille. Un avant-poste avant? Bah ouais ouais parce qu'on a un coffre de capitaine là. Ne prenons pas de risque. Oh putain il y a des squelettes. Merci. On bouge? Yes. T'as plus qu'à déplier la voile et on bouge. Bah je te laisse déplier vu que t'as l'air dessus. Hop là. Alors avant-poste. Hop là derrière nous. Va tout à gauche. Ah, j'étais parti sur la droite. Ah
Ah mais non, mais il y en a un là-bas là qui brille. Où c'est, à droite? À droite là. Ouais. Ah putain. Ah c'est chiant. Bah oui, mais moi hein, je dis à droite, à gauche. Enfin, je suppose que c'en est un d'ailleurs. Ah bah oui, et puis il est plus près en plus. Alors sache que je me suis ouvert une petite bière qui doit venir des Vosges, je crois. Une pote des Vosges qui nous avait ramené ça. Et bah c'est vraiment très bon. C'est quoi? Une bière artisanale qui s'appelle la Madelon. La comment? La Madelon. Et il y a marqué la blanche des ballons. Oh c'est beau, c'est beau. C'est poétique hein. J'aime la bière. C'est vrai que c'est bon la bière. Alors faudrait que je mange aussi. Où est-ce qu'on se gare? Ouais. C'est pas une épave ça là-bas? Non, c'est pas une épave. Alors. Là, c'est à gauche. Je suis pas sûr que ce soit la. Ouais, ouais, si, vas-y, vas-y. Je vois pas trop où est la tente donc. Hop, oups, c'est le plaisir. C'est pas trop tôt. Ah, mais je la prédescends en fait. Redresse, redresse, redresse. Ok, trop tard. Ça te va pas? Oh, c'est pas trop mal. Allez. J'ai pas pris le coffre de capitaine pour des raisons de c'est pas le premier qui est venu. Donc je te laisse le prendre. J'ai tenté, mais c'est pas le premier qui est venu. J'ai pris le coffre d'aventurier à la place. J'ai pas pris le coffre de Gournaz. Rappelons que les naufragés, c'est des grenades. T'en as vraiment chié notre accostage. C'est vrai. Là, Non, je m'en fous. Qu'est-ce que c'est chiant là que le putain de truc pour vendre les coffres, c'est pas le même que pour mettre des objets dans un truc. Ouais. Oh, je sais pas, moi c'est devenu un réflexe. Alors coffre de capitaine, c'est tout? Putain, je pensais qu'il vaudrait plus cher que ça. Ah moi aussi. Ouais. J'ai l'impression qu'il les a un peu arnaqué lui hein. On reviendra plus. On a 100% chié l'accostage là, je sais pas qui s'en est occupé mais. Ah ouais ouais, j'avoue c'était. Putain mais je suis tellement pas bon au niveau des touches. Genre je vais devant le coffre, je vais pour attraper le coffre. Et à la place, je sors une banane. Ça a des effets comiques, mais. Mais ça n'a pas des effets d'efficacité. Ah non, je suis tombé. Non, pitié, non, non. Oh fuck. Oui, c'est ça. Putain, j'ai pas regardé l'écran une demi-seconde et je m'étais perdu. Hop là, plein de boulets. Hop là. On est où des niveaux? Faudrait que je me fasse un crâne là pour passer niveau 10 chez tout le monde. On peut. Comme tu veux. Je peux en acheter si tu veux. Des quêtes pour ça. Par contre, elles sont. Elles commencent à être velues mes quêtes. Il y a un bateau qui arrive. Non, il part. Enfin, il y a un bateau pas loin, quoi. Mais c'est un peu. Où ça? C'est un scoop. Un sloop. Ah ouais. Je vais vider notre dernier coffre. Reste sur le bateau, de toute façon. Au cas où, tu as juste à baisser les voiles et le bateau il part là. J'ai relevé l'ancre et tout donc. Ok. Bah, je regarde. Pas mal.
Ouais, il y en a un qui est loin et qui a l'air de partir. Mais ce qui m'inquiète, c'est que je crois qu'on n'a pas vu le même. Ah, moi le mien il est. Je regarde dans sa direction là. Non, mais je pense que je. Ah, si, il vient vers nous là. Oui, il arrive là. Ouais. On s'en fout, on n'a plus rien. Par contre, eux, ils doivent avoir des trucs. Donc moi, je vais attendre dans l'eau. Bah, tu veux que je fasse quoi? Je leur tire dessus? Non, non, reste sur le bateau au cas où il y en a un qui saute et qui vienne sur notre bateau. Tu pètes la gueule. C'est noté. Bah, de toute façon, ils doivent voir que je les Que regarde, hein. dessus. Ouais, mais bon. C'est des fois les mecs. De toute façon, on compte pas partir, on n'a rien à perdre. Donc Bah s'il ouais. coule le bateau, on s'en bat les couilles. Exactement. Okay. Donc du coup, je vais monter en haut et je vais les regarder de très loin. Bon les couilles, frère. Ils sont où là? Ah, ils sont là. Je vais vous cacher. Je pense qu'il est tout seul. Je vais vous cacher. Je pense qu'il n'y a qu'une personne parce que je. Bon, je vois personne, honnêtement. Donc après, je pense pas qu'il soit personne. Donc je pense qu'il y a au moins Bah, une je pense pas personne. non plus. Mais je me dis qu'en fait, s'ils étaient deux, il y en aurait un avec la lunette. C'est pas dit. Bon, techniquement, le jeu m'a chargé personne, donc là, j'ai un bateau fantôme. Par contre, on dirait qu'il va venir harponner notre bateau. T'as fait chier parce que. Ah si, putain, non, je vais les rater! Ah, je les ai ratés! J'ai absolument pas eu le temps. Ah non, ils sont deux. Et ils sont contents. Ah non, ils sont trois même. Attends, ils sont deux ou trois? Quoi? Comment ils peuvent être trois? Non, ils sont deux. Ils sont deux. Il y en a un qui arrive vers le pont, il y a l'autre qui s'est cassé avec Ouais, le y en a un qui est bateau. parti vendre les coffres là. Ah, il veut jouer à ça. Bah, de toute façon, ils peuvent vendre qu'un seul coffre là. Ah non, il va vendre des poules. Oh, bon, on s'en fout. Enfin, quoi que ça rapporte un peu les poules. Par contre, je vais vérifier parce que notre bateau, à mon avis, il est pas en bon état. Ouais, vérifie, moi je le course, j'ai pas réussi à l'empêcher de prendre sa poule. S'il est réparable, je répare. Sinon, tant pis, on s'en prendra un autre. Ouais, y a l'autre qui arrive avec avec une autre poule. Il attend, il protège son cochon, ce con. Il va se faire bouffer par le requin. Bah écoute, ils ont juste fait un tout petit trou, j'ai réparé. Ah putain, j'ai pas de banane sur moi, merde! Il doit y en avoir un peu partout. Bah. Sauf si t'es dans l'eau. Pas passé loin là. Ok, donc là on est bon. Merde, putain, y a pas de banane! Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi chargement impossible? Sous-marin? Ah mais oui, je suis con, putain. J'ai le seau à la main. Leur bateau il est mort ou ils s'en foutent, ils Non, sont partis non, il quand? est pas mort, il est juste parti très loin. Ouais, bon, c'est débile quoi. Enfin. Je l'ai buté, mais ça servait à rien. Bravo. Mais je suis content quand même, Ah, mais il y a un parce que requin je l'ai qui buté. flotte. Fais gaffe, il y a un requin près du pont. Tu veux que j'essaye de rapprocher le bateau du coup? Bah non, je vais. Pourquoi il est loin? Et bah, ils l'ont éperonné, on n'avait pas d'encre, donc oui, il est parti à pète. Ah putain, Oui, il y a il un est autre clair. bateau qui arrive. Ah ouais. Ah bah c'est peut-être eux en fait. Peut-être. T'as l'ancre levée, t'es prêt à partir là? Ouais. Mais il y a un requin qui rôde juste bah, là où t'es. Ouais, mais t'inquiète. Allez, on baisse les voiles. Tire-leur dessus avec un boulet de canon. Non, mais je le fais si tu veux. Bon, ça sert à rien là. Enfin. Non, mais c'est si jamais ils se rapprochent. S'ils essayent de se la jouer. Ah ouais, mais ils essayent de se la jouer là. C'est ça le truc, hein. Là, Ouais, alors attends, avec un peu de chance. je suis pas très bien placé, mais. Si on réussit à passer assez près d'eux, parce que je vise très mal. Non, mais là, ils nous auront pas là. Pas moyen. Par contre, je les ai peut-être eu là, non? Bravo, tu les as pas touchés!
Ouais, mais au moins, tu vois, ils sont prévenus que Ah je ne sais là, pas viser. là, ils vont pas y revenir, là. Ouais, mais en fait, moi, je voyais rien parce que, comme il y a de la tempête, j'ai les vagues qui étaient au-dessus du niveau des canons, quoi. Ouais. Donc, ça C'est aide relou. pas. Donc, déjà que je suis pas très bon. Par contre, ils font demi-tour, ils reviennent vers nous. Ouais, Ils pourquoi j'ai sont plus de sniper? Ah. chauds. Par contre, on fonce vers une île. Ouais, juste je prenais le sniper pour essayer de les choper. Ouais, j'ai décalé un peu la barre, t'inquiète. Bah vas-y, Je conduis? barre toi, ouais. Non, conduis, je veux dire. Et ben, je vais jouer avec eux. Mais faut qu'on retourne, enfin faut qu'on aille sur Crooked Mast. Je vais diriger le bateau vers là. Vas-y. Quand j'aurai trouvé, si c'est là. Bah on va vers là en fait. C'est D'accord. littéralement l'endroit où on est pointé là. Alors, putain, ils vont nous coller au cul. Ouais, quoi que là, non, t'es sûr? Parce qu'ils ont l'air de se barrer. Ils Ah non. abandonnent? Non. Non, non, non. Il m'a semblé parce que leur voile était de côté, mais pas du tout. Alors, normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est lever les voiles. Ah si, ça y est, ils abandonnent. Ouais, vite fait quoi. C'est-à-dire que le problème, c'est que là, si on accoste sur l'île, ils vont venir. Attends, mais ils ont jeté leur ancre. Non, ils sont en train de couler en fait. Les Ah noobs, bon? ils avaient pas réparé leur bateau. Ah, génial. Lol, ils coulent en fait. Je pense qu'ils avaient rien dedans. Bah, je pense pas, mais. Qui sont cons. Ouais, voilà, on est tranquille. Bah, tu dis ça, mais en même temps, la première fois que ton bateau a des dégâts, t'es pas au courant qu'il en a. Ouais, ça paraît un peu logique. Tout de même. Ouais, c'est cette île là, ok. Et qu'est-ce qu'on a à faire ici déjà? C'est une énigme. Ah, encore? Ouais. Attends, parce que en fait, j'aurais dû lancer le voyage. Ah, mais on peut encore. Mais Bah, c'est toujours la même c'est quête toujours la que tout même à l'heure. quête. Mais là, c'est la dernière. Il y avait marqué dernière étape ou un truc comme ça. Esquive ce truc là. À gauche? Ouais, essaye de nous faire aller sur les deux petits palmiers à gauche là. Je me prépare à. J'étais l'encre, t'inquiète. Ah, mais il y a un Tu mets la rochipi en barre tout face là. droit hein, quand je jette l'encre. Bah, Sinon on va tourner et se fracasser. tu me dis. Genre là ça peut être pas mal, là tout droit, tout droit, tout Je droit. suis tout droit. Là tout droit. Ok. Ben, je crois. Ouais, c'est pas mal, mais on a quand même un rocher en plein face pour repartir, quoi. Ouais, mais ça se gère. Qu'est-ce que tu fais? Tu relèves? Ouais, comme ça, on n'a plus qu'à baisser les voiles et on Ouais. part direct. Pourquoi t'as tourné là? Bah, pour pas qu'on parte tout droit, tout droit. Ouais, mais t'inquiète. Bon, il nous a pas affiché la suite de la carte là, non. Non, je pense qu'il faut être dessus. On aurait peut-être dû jeter un coup d'œil aux Autour? alentours. J'arrive pas à monter! Moi non plus. Ça m'énerve! C'est bon. Faut aller sur le côté. Alors, au fossoyeur ivre des. Ah ouais, ok, d'accord, on l'a déjà fait. Et bah, il est là. On est devant, donc. Affiche la suite. Un simple chant les Attends. conjure. Parfait. T'as vu ça? T'as vu ça comment on a conjuré le. Je sais pas quoi d'ailleurs. Les secrets. À la tempête des pins sur le rocher au nord. Sur les Nord. rochers, non? Bah, c'est pas ça, regarde. Bah, Là. c'est ça là. Hein. C'est une tempête ça. Hop. Et c'est quoi le texte? Non, mais là. Ah, au nord. Oui, t'as raison, c'est les tiens. Au Si nord. peu à l'est. Alors attends. Non, c'est pas logique parce que c'est du caillou. Bah, non, bah alors c'est. Ah, putain de. Ah, sérieux? Il est où? Bah, il est Ah, et là où en j'ai plus, marqué. j'ai pas d'épée pour le tuer là. Je vois Je pense qu'on rien, peut pas les mais tuer. ici, il y a aussi un truc peint. Sauf qu'il est pas au nord. C'était quoi le texte? Une tempête, mais là moi c'est bien une tempête que j'ai. Mais Ah non, non, c'est mais un moi kraken. aussi j'ai une tempête, regarde, c'est ici. Ah. Ici, pas à l'est.
Ah bah voilà, voilà, c'est plus logique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, donc en fait, c'est juste là. Attention les squelettes. J'ai oublié de remettre mon épée. Je l'ai. Ça a été le coffre le plus efficace de notre carrière, non? Putain, ouais. En même temps, on est arrivé pile au bon endroit aussi. Et tout était au même endroit, surtout. Je vais faire un tour vite fait là, s'il n'y a pas des bananes, des trucs. Tiens, ben voilà, un baril de poudre. Très bien, ça. Je check aux alentours. Parce que je crois qu'au loin, je vois un bateau. Attends, je regarde. Non, c'est des palmiers. Hé, le chien, tu te grattes pas? Sac à merde. Il a pas le droit de se gratter. Pourquoi? Parce que en fait il se gratte parce qu'il est allergique et cet abruti il se fait saigner. Eh oui. Ça doit pas être très agréable. Ouais. Mais ouais, mais en même temps, pour pas qu'il soit allergique, il faut le laver tous les jours, donc c'est un peu relou pour lui quoi. Vu qu'il déteste se laver. Ouais. Bah tiens, j'ai mis une quête là de crâne. J'arrive. Ah, on en a deux. Alors, Liar's Backbone. Attends, faut qu'on nettoie la carte là parce qu'on a des trucs partout. Ouais, Liar's Backbone et Tree Rock. C'est là. Donc, okay, plein. Tree Rock, c'est juste au-dessus. Tree Rock, c'est celle-là. Donc, on est bien. Plein quelque part. Et puis, on a deux nouvelles cartes qui viennent d'apparaître en plus. Non, bah, c'est celle-là. Non, mais c'est, ouais, c'est le temps. Plein. Donc il y a deux capitaines sur la première et il y a un capitaine sur la deuxième. C'est quoi ces quêtes de merde? Je te laisse naviguer puisque t'es sûr de toi. Je descends très légèrement. Ouais. Non, vas-y, à fond, à fond. Ben, à fond, tu vas juste te prendre les rochers. Hein. Mais non. J'ai de la bouteille, mon gars. Ouais, mais je suis pas à fond là. Bah, parce que sinon... Faut qu'on aille dans quelle direction là? À l'est. C'est ouais, parfait. C'est ça, plein est, bah là où t'es. Ouais, parfait. Un peu plus à droite, mais. Mais c'est pas gênant. Ouais, bah je pense que c'est l'île qu'on voit là. Ah non, c'est pas celle qu'on voit. Non, c'est celle d'après. C'est juste après. Attends, on enchaîne bien. Ouais, mais putain, ça doit être tellement long d'arriver au niveau 50. J'imagine. Pourrait pas y avoir un petit stronghold là? Je ne vois pas de crâne. Tu veux t'en faire un? Deux Stronghold. Bah ouais, j'aimerais bien, mais... En même temps, en sloop, s'il y a un galion qui se pointe, on est un peu dans la merde, quoi. Je sais pas laquelle c'est, la deal. Ah oui, non, on a complètement viré de bord. Comment ça? Bah on a pas droit, là. Ouais, bah là faut juste redresser un peu à gauche et c'est ouais, bon. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Y'a personne? Non. Ah, peut-être que je mange et que j'aille chercher d'autres bananes. Recherche tes bananes toi aussi. Parce que je sais très bien où est-ce que t'en es au niveau de ta vie. Moi? Ouais non je sais pas mais tout à l'heure tu disais que t'en avais pas. De bananes. Oh. Ouais mais là c'est bon, je me suis renfloué depuis. Je sais pas si t'as vu passer, il y avait une news qui disait... Enfin, je sais plus, de Rare, ceux qui font le jeu là,
qui disaient ce qu'ils avaient prévu pour les prochains mois, et apparemment il y aura des events à peu près tous les mois, plein de nouveaux trucs. Ouais, je l'ai vu ça. Un nouveau type de bateau, c'est pas mal. Bah, il y aura des nouveaux trucs, quoi. Bah, s'ils pouvaient diversifier les quêtes aussi, ça serait sympa. Ouais, c'est vrai que en fait, tu fais vite le tour, j'ai l'impression. Bah, ouais. Bon, après, c'est rigolo quand t'as d'autres joueurs qui te font chier, mais bon. Et par exemple, c'est chiant de pas pouvoir faire les strongholds à deux, quoi. Enfin, ou alors faut être vraiment, vraiment skillé. Ce qui n'est pas vraiment notre cas, hein. Qu'est-ce que tu dis? Mais bien sûr que si. Qu'est-ce qu'il fait? Je me prépare. Bah, j'accoste sur la plage, en fait, non? Ah, t'es en train de faire du caca, là! Mais non, regarde, jette. Ah, voilà. Bien. Mets la barre tout à droite. Ouais. C'est exactement ce que j'étais en train de faire. Attends, et dès qu'on est en parallèle, tu la redresses. Ah, t'es parti? Ah ouais, je suis parti, pardon. Ouais, je vais m'en occuper, Voilà. Là, comme ça, hop, on revient, on lève. Bah, là, de toute façon, c'est tuer du mob. Y a pas de challenge. Putain, on a toujours une cage à poules, au fait. C'est vrai. Dommage qu'on ait pas de poule. En fait, c'est chiant parce qu'on est arrivé d'un côté où bah y'a rien. Donc, bah, c'est un peu chiant de marcher en plus. Ouais, du coup, faut faire le tour. Est-ce qu'on est sur la bonne île? Ah, j'ai trouvé les squelettes en haut. Étonnant. Putain, j'ai encore oublié. Alors, c'est bien parce qu'ils ont pas de trucs là qui fait mal de loin. Des tromblons. Ouais, pour l'instant. Hein. Pour l'instant, oui. C'est déjà pas mal qu'ils en aient pas pour l'instant. Ah, mais c'est toi ça. Et ils sont résistants ceux-là quand même. Ouais, je trouve pas. Mais arrête de te casser. Trop du cul. Ouais, la musique s'emballe. Ouh, il est trop bon, il a le pistolet. Et un Mars. Ah, il y en a un qui me tire dans le dos là. Ah, je vais crever. Ils sont beaucoup, ouais. J'arrive. Je mangeais juste un coup. Alors non, ça c'est absolument pas ce que je veux. Il est où le trou de balle Trou de balissimo. Ah, j'en ai un là. C'est pour ça qu'il apparaissait pas. Ah. Il s'était caché. Il doit en rester. Ah, ils apparaissent ici. Ah putain, ils sont pleins. Mais genre plein quoi. Par contre là je me prends un truc, je meurs. Mange la banane. Mais je fais ce que je peux. Il leur faut pas mal de coups hein, pour mourir là. Ouais, je te dis, ils sont résistants et... Et ils mangent des bananes en plus. Et ils visent très bien. Eux, ils ratent jamais en fait quand ils tirent. C'est limite abusé. Bon, il arrive le... Ah bah là, il y a la musique du capitaine. Il est là. Ah, ils sont deux. Ah là là. Bah, ils sont trois même. Oh putain, je vais crever. Mange. Il y a pas de banane sur l'île là? Non. Bah va... Oh putain, les deux me tirent dessus en même temps. Va dans au bateau hein, pire. Hein. Tu sais, moi je suis pas assez prêt, hein. Là je vais de toute façon crever donc... C'est bon, je vais trouver des bananes. Ouais, moi je suis mort.
Je suis mort, mais il lui reste pas beaucoup de vie au dernier. C'est beau quand on meurt. Je suis en train de lui casser les dents là. Bien joué. Qu'est-ce qui se passe si tu sautes ? Ah mais non, mais t'as pas tué l'autre ? Ah bah il me semblait. Ah bah non, mais c'est-à-dire que là... Bah j'arrive. Voilà, je suis mort. Il en restait un en fait. Ah mais ils étaient trois ! Oui, ils étaient trois. C'était trois. Bah, je t'avais dit, je l'ai presque buté l'autre. On parlait pas du même. Il y en avait deux en plus, c'est ça? Bah ouais, il en restait deux autres en fait. Ah, il me semblait qu'il en restait qu'un. Bah j'y vais. Je vais les terminer. Moi je l'ai trollé avec mon 1% de vie en fait. Il fallait pas. Putain, les squelettes ça va, mais alors il y a des serpents. Et surtout qu'ils étaient pas là les serpents il y a deux secondes. Hein. Mais je crois que en fait il y a un bug quand on crève et t'as les trucs qui repop. Bah ouais, mais là ils étaient pas popés. Mais... Ah, mange pas ta banane, connard! Putain, mais il y en a deux en fait. Mais le. Bah ouais. Mais en fait, je pensais que du coup t'en avais tué un des deux. Bah j'en ai tué un des deux. Non, non, il y en a encore un en haut, je crois. Ah non. C'était une branche d'arbre. Donc normalement on a trois coffres à ramasser. Alors j'ai un crâne recherché abject. Putain, c'est relou parce qu'en fait on est vraiment pas du bon côté. Ville et ville. Oh, c'est de la merde. Oh putain. Fais pas l'erreur de sauter. Parce que l'eau est pas assez profonde. Ça va, tu te fais pas trop mal. Mais tu te fais mal. J'ai jamais nagé aussi peu vite. Bah c'est un peu chiant ça. Parce que je veux bien que ce soit le cas quand c'est un coffre, mais quand c'est un crâne qui doit peser 2 kilos... Bah ouais. Mais malheureusement... Ah mais abject, mais putain, mais c'est quoi cette quête de... De bits ? De minable. Ah mais il y a un coffre là, coffre d'aventurier, qu'est-ce qu'il fout là lui ? J'ai le recherché ville, c'est le dernier. Nickel. T'en as bien chopé un toi ? Ouais ouais. Ouais, donc c'est le dernier. Donc là il reste que... Tree Rock Isle, et c'est parti. Ouais, je te confirme que l'eau est vraiment pas assez profonde. T'es sur le bateau ou pas ? Non, j'arrive. Je suis devant. Je nage très lentement. Le crâne me raconte sa vie. Mais il va me rouler dessus. Ouais. Mais calme-toi. T'es sur le bateau ? Ouais. T'es allé à la prochaine île ? Ouais, ouais. C'est celle qui est juste en face, je pense. Bah, elle était un peu au nord, non? Ouais, c'est ça. Nord-ouest, c'est ça. Effectivement, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais que si je me mets comme ça, devant toi, tu devrais la voir à peu près, non? Ah ouais. Ah putain, ouais, on voit que la carte. C'est marrant. On va là-bas. C'est bien. Hein. C'est Tree Rock Isle en face. Ça, j'aurais pas dit. Ah ouais, c'est celle-là. Ah ouais. Je n'arrive plus à monter. Je suis un bras cassé. Attends, c'est celle-là à gauche ou à droite? Oh, c'est celle-là devant là. Ah ok. Tu te prépares à jeter l'encre? Allez, tu me dis quand. Putain, je regardais pas là. Ah ouais, non, ça va passer. Je sais pas si c'est du fond ou pas, je tente. Mais non, malheureux. Ici. Parce qu'il y a du fond un peu quand même.
En fait, y a pas de fond. Voilà, voilà. Ouais, attends, j'écume. Oh, c'est bon, je répare ma connerie, t'inquiète. Ouais, j'écume. T'es cop? Ouais, j'ai cop, c'est pareil. Ouais. Si t'écume. J'écume des jours. C'est bien une forteresse là-bas, c'est pas un... C'est pas des gens, oui. Ah, mais cassez-vous, je regardais un truc. Bande de cons. Alors je sais pas pourquoi, depuis la dernière mise à jour, ils ont des bandeaux de couleurs différentes. Tu crois que c'est genre leur difficulté? Non, je pense que... c'est possible parce que là, il a vachement de vie celui-là. Mais c'est peut-être aussi leur couleur politique, tout simplement. Ah ouais, ok. Genre là, j'ai tué des PS. S'ils sont bleus, c'est des Macron. Putain, ils ont tous des flingues là. J'arrive parce que je devais prendre des bananes parce que j'ai plus de vie et plus de bananes. Non, je vais crever, je vais crever. Bah, je suis là. Bon, je suis descendu du mauvais côté. Putain, ils sont nombreux là. Bah, j'arrive. Bah, je suis pas très d'accord. Hein. Tu penses qu'il vaut mieux y aller avec un flingue ou avec un... Bah, ils sont pas très respectueux là. C'est ce que je peux te dire. Ah, Oh putain! Mais ils sont vraiment beaucoup et vraiment très armés! Oui, ils font vraiment très mal! C'est vraiment, c'est vraiment des trous de balles! Tu es décédé? Ouais, je suis à côté de toi, regarde! Coucou! Allez, salut! Super! Bon, on va essayer de la jouer un peu plus. Complète cette phrase comme tu veux. Oh! Ouais, mais quand ils. Le problème, c'est qu'ils ont tous des flingues là. Bah, faut y aller en stealth. Non, mais attends, je sais pas, j'arrive. Hein. Je vais essayer de les prendre à revers en leur tirant dessus de loin, mais. Mais je sais pas trop comment tu peux faire. Hein. Ah putain, putain mais des fois mon dash il marche pas, ça m'énerve ça. Allez. Bon, quand t'es trop loin ça sert à rien le flingue. Voilà. Ça devrait pas tarder là les connards. C'est que la deuxième vague là non? Je sais pas mais je sens la musique s'exciter déjà. C'est pas la musique du boss ça? Ah non c'est l'avant-dernière vague. Non, enfin... non c'est bon. Ah si il est là. Oh il est mignon avec ce petit collier de fleurs. Oh c'est marrant. Une tête de cul. Oh putain ça c'est du crâne hein. Ça va? C'est la merde. Y'en avait qu'un? Ouais. Attends, est-ce que la quête a bien disparu? Bah pas encore, mais quand tu l'auras ramené, oui. Oui, ça y est. Voyage terminé. Bah allons regarder s'il y a un avant-poste. Hein. Allons vendre tout ça. Bah juste au-dessus, nord, plein nord. J'avais pas relevé l'encre. L'erreur. Ah oui, puis en plus... Ouais, moi je suis un peu foufou. Je te gère la voile, là. Yes. Plein d'or, en théorie. Yes. Oh oh, c'est un bateau qui est là-bas? Je vois pas, je vais regarder. Où ça? Juste à l'avant-poste, là. Ouais, c'est un sloop. Il a l'air de partir de l'avant-poste. Tu veux qu'on fasse un détour? Non, non, attends, on va voir. Attends, on va faire ça. Ah, je suis pas dans le sens. Ouais, il part de l'avant-poste. Tu le vois sur notre gauche là? Je le vois vaguement. Enfin, pas du tout en fait. Putain, attends, je vais monter parce que. Ouais. Avec les vagues, on voit rien. Ah merde, il nous a eu.
Il nous a vu. Il nous a vu, il vire sur nous. Mais pas tout à fait, il y a encore de l'espoir. Ah non, c'est bon, ils ont l'air de continuer en fait. Bah, je retourne à gauche là. Attends. Non, non, mais non, justement. On était... Ah ouais, mais si, si, oui, pardon. Je pense à mon poste, vas-y. Ah non, ça y est, là, ils. Je sais pas, ils font des zigzags. Ils sont peut-être comme nous, ils sont pas au point. Bah, au pire, on se crache à l'avant-poste. Enfin, on se crache, façon de parler, quoi. Et y en a un de nous deux qui court avec le crâne le plus cher, quoi. Oh non, mais c'est bon, ils sont partis, ils sont partis. Si on arrive à accoster de façon pas mal, on peut. Avec la tempête, là, on part dans les rochers, c'est bien. Bien cool. Enfin, façon de parler, quand je dis bien cool, ça veut évidemment dire pas cool du tout. Eh oui! Oh, mais ils ont l'air d'être pas. Attends, si je les vois plus là. Ah, si, ils sont à gauche là, ils sont. Ouais, ouais, bon, ça va. Complètement à gauche de nous. Alors, en théorie, si tu mets un coup de truc, on fait un virage frein à main complètement à gauche. Et ça passe. Ça va frotter là. Redresse, 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 qu'on soit bien parallèle. Putain, parfait. On est dans la paralytitude là. Ah merde! Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis coincé dans un poteau. Il y a des mouettes. Tu vois une épave? Non, il y a des mouettes. Hein? Juste parce qu'on est. On est là quoi. Putain! Je me trompe de touche à chaque fois. Attends, mais il y avait un crâne abject non? À récupérer un moment là. Je l'ai pas vu. Bah. Un crâne tout pourri qui brille pas. Bah écoute. Elle est peut-être sous le coffre. Ah, peut-être. Oui, il est sous le coffre. Ah, cool. Bon, enfin, j'avais même pas capté qu'on avait un coffre quoi. Moi, je suis passé à côté et. Il est tellement pourri, on dirait un coffre de garage quoi. Tu sais, pour mettre tes petites clés à laine. Ouais, ouais, bah c'est ça. C'est vraiment un truc de merde. De allez, merde. 144. Oula. Ah tiens. Oui, ça veut rien dire. Mais... je pense que ce crâne là aussi, il va coûter... Allez, moi je mise sur un petit 80. Comment ça se fait que j'ai pas monté de niveau là, ni ta mère? Bah ouais, mais on fait que des quêtes de merde aussi. Bah là. Ouais, mais j'ai pas monté de niveau avec la meuf alors que... Alors que non, attends, on a fait que lui vendre des trucs. Ça va apparaître ça. J'espère. Parce que moi non plus j'ai pas monté de niveau là. Parce que si on fait tout ça pour rien, ça va être un peu énervant. Oh, il y a plein de bananes là. Je vais charger le bateau en bananes. Ouais, bah les niveaux montent pas, hein. Je sais pas, c'est bugué. Mais... Bah, moi non plus là. Peut-être que les quêtes étaient trop basses. Bah, quand même. On en a bien chié, mais. Mais ouais, non, c'était des quêtes de mon niveau donc. Non, non. Ouais. Choper des boulets de canon. Moi je pille les bananes là. J'ai encore une quête de crâne si tu veux. Bah, ouais, mais attends, parce que si c'est bugué, ça sert à rien. Ouais. En même temps, j'avais pas surveillé mon XP où c'est qu'elle en était. Moi non plus, s'il faut ça monter, ça, juste, ça nous a juste pas notifié, je sais pas. Écoute, je t'en propose une. Et je vote pour d'ailleurs. Des planches, ok, 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 ok. Je te laisse un peu autour. Bah. Je vois un avant-poste. C'est intéressant. Attends, je regarde attends, faut que j'aille. Faut que j'aille pisser en fait. Et du coup, je pense que je vais fumer une clope. Ah, on peut pisser dans le jeu?
Ah là là, mais quelle blague! Bah, oh la blague honnête! Je t'en prie, fais donc. On a toujours pas trouvé de poule hein, d'ailleurs. Je vais mettre ça là, voilà. Parce que c'est vachement joli là. Ok, bah je reviens, j'en ai pour 5 minutes. Et donc pas des 5 mobs. Ouais. Attends, je vais pas voter pour la quête, je vais le faire maintenant sinon. Ah bah si tu veux, je me dirige carrément vers la quête hein, pendant que tu fais. Ouais, ouais, tu peux. En plus, vu qu'elle doit être de ton niveau, tu peux limite la faire tout seul. Super quoi, le gars, démerde-toi quoi. Ouais, voilà. Moi pour l'instant, je vais jouer avec des canons. Il y a un sloop très loin, mais rien de très inquiétant. Parce ouais, bah c'est celui qui partait, non? Je pense, ouais. Je pense qu'ils sont à côté. Ah, il y a deux quêtes. Bon, bah voilà. T'as de quoi t'occuper. Bon, je reviens. À de suite. À de suite. C'est juste là, sur le trajet. Plein d'or. Plein d'or. Ah mais c'est pas là où ils sont les connards là. C'est totalement là où ils sont. Mais non, pas du tout. Nord, c'est là-bas. Eh oui, il avait mal lu. Allez. C'est très con avec la cage. Plein nord, plein nord, plein nord. On va y aller. Encore un peu. Plus quand même. Là on va se prendre le truc. Alors on est où? On dégage. Les mecs étaient là-bas donc. Hein. Donc rien à voir avec là où on était. Là je ne vois personne là où on va. Bah, ah putain, il avait disparu. Un peu plus à gauche, c'est sur l'une de ces deux îles. Probablement sur celle-là. Alors, pendant que notre ami Mookie est
Syllab. Est en train de fumer une clope et de faire pipi. Ah putain, j'ai du mal à voir. J'ai peur qu'il y ait un bateau en face. J'arrive pas à voir avec la mer. Ah non, c'est une tour. Par contre, là, on se prend les rochers 100%. Quoi. Alors, elle est où, style? Ah, mais on est dessus, en fait. Parce que je ne vois rien, et comme je suis tout seul... Ah, mais c'est l'île, ça. Ok, j'avais l'impression que c'était un truc. Donc, il y a personne? Enfin, à part les... Est-ce que t'as buté? Personne autour. Ah, puis un stronghold. S'il se dépêche, on pourra lui faire après. Je ne vois personne. Go. Go, go, go. Avance un peu plus parce que là, j'ai paniqué. Truc dans l'eau, j'ai peur que ça fasse mal. Non, c'était que des algues. Je vais vérifier parce que là, je suis pas certain de ce que j'ai fait. Non, ça a l'air d'être bon. Ok, donc du coup, par contre, faut. Allez, par contre, on n'est pas du tout à un endroit pratique, quoi. Allez. Mais reste là! Bon, je vais buter les autres. Je ne suis pas du tout au bon endroit. Où sont-ils? Ah! Ah oui, d'accord, mais. Oh, c'est bon là! Ils sont tous prêts à revers. Je suis un débile. Je me les mange tous d'un coup. Alors que ça devrait être facile, et moi je me retrouve à devoir me taper contre les 5 d'un coup, et je suis comme un trou de balle. Heureux. Bonjour, tout se passe très bien, j'ai aucun problème. C'est vrai. Si, à un moment donné, j'ai couru vers un des squelettes qui s'enfuyait, et du coup, en fait, ils m'ont tous poursuivi, et quand je me suis retourné, ils étaient à 6 devant moi, et je me suis pris 6 coups d'épée d'un coup, c'était sympa. Mais sinon, globalement, ça va. J'ai juste chié un peu la postage. Mais ça passe. Ah oui, d'ailleurs, t'as peur de rester la barre. Ah, j'avais pas le temps. Par contre, il y a des poules, si tu veux en venir en choper une. Ah bah ouais, carrément. Par contre, ils sont 60. Et maintenant, ils ont des fusils. Ah ouais, et puis ils me laissent pas manger ma banane. Oh putain, je vais crever. Laissez-moi manger ma banane, comme dirait... Non mais laissez-moi. Exactement le principe, quoi. Oh. Super. Putain, mais ils sont à 3, ils me tirent tous les 3 dessus en même temps. En fait, c'est par où qu'on monte, là, parce que... Voilà, là, je suis coincé. Et t'as pas besoin de monter. Bah, je pense que je suis parti du mauvais côté, du coup. En fait, tu peux faire le tour. Bah voilà, t'es au bon endroit. Ouais, il est Coucou. Où, mon méchant? Le méchant, il est ah, où il est là, ah bah, il est là. Donc... Putain, la poule dorée. Bah, je te laisse prendre la poule dorée. Je vais ramener le crâne.
Et après, on en a une juste au nord. La deuxième quête, parce qu'il y en a deux. Yes. Et il y avait un stronghold qui brillait à 2 mètres là, mais j'ai l'impression qu'il s'est éteint. Ah bah non, il y en a un autre, mais plus loin maintenant. Ah bah on va aller faire un tour. Entre les deux crânes. Le deuxième au nord. On a le temps de faire les. Bah le deuxième est juste en face en fait. Enfin en face il y a un caillou mais. Vas-y, vas-y, je te laisse gérer la route. Je vais regarder s'il y a un avant-poste. Bah, il y a celui d'où on vient juste derrière. Ah ouais. Le crâne, il est où là? Il est. Bah, il est. Tu m'as enlevé la carte, mais il est en face de nous. Sur notre gauche. Ça doit être. Putain, mais il est loin cet enfoiré. L'avant-poste? Non, le crâne. Bah non, il est pas loin, c'était juste l'île au-dessus là. Non mais le... enfin le stronghold je veux dire. Ah. Le crâne qui brille. Ouais. De toute façon là on a quoi? On a un crâne juste. Ouais, un crâne tout pourri, donc à la limite on peut foncer direct au stronghold après. Ouais, ouais, on a un crâne recherché mais... enfin pas plus recherché que les autres fois quoi. On est sur de la recherche plutôt standard. Hein. Est-ce que c'est vraiment une arche? Genre je peux me mettre au milieu et... Ouais 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 tu peux. Ouais. Par contre j'espère qu'il y a personne dans ces tours. Sinon on est mort. Et je vois de la lumière dedans. Ouais ils auraient déjà tiré. Ouais. Redresse, redresse, redresse. Je redresse un peu tard. Non, redresse à droite maintenant. Redresse à droite. Trop tard. Non, ça passe, ça passe. Oh, c'est bon, ça, c'est bon, c'est bon. Tu me dis quand j'achète l'encre. Bah, vas-y. On est au milieu comme ça. Oh, putain, c'est spatialisé. J'ai jamais fait gaffe. C'est quoi? C'était très spatialisé là. Alors, faut qu'on tue des squelettes. Tu la relèves? Ouais, ouais, comme ça on est prêt à repartir. Ok. Bah je pars à droite. Ah merde, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Faut tuer des squelettes. Il y a des serpents. Il faut trouver les squelettes avant ça. Bon j'imagine qu'il va être en haut comme d'hab. Là il y a des mouettes carrément en haut. Des mouettes et des squelettes? Non, mais par contre, il y a une maison. Putain, j'ai plus de munitions. Ça m'étonne qu'il y ait rien ici. On peut pas monter? Si, de l'autre côté? Ah, il y a un baril de poudre là. Ça nous servira peut-être au stronghold. Je vais tenter de le jeter dans l'eau ici. Bah écoute, moi j'ai trouvé une porte qui ne sert à rien. C'est un fail, je suis tombé à l'eau. Voilà, ok. Bon, ouais, le baril est perdu et je suis tombé à l'eau. Il est perdu mort? Ouais, il est sur la falaise. Mais tu penses... Irrécupérable. Irrécupérable du tout? Ouais. Ok. Même pas en passant très vite à côté et... Bah non, j'ai pas réussi. Ah, ouais. J'en ai trouvé un autre. Mais en fait, on est totalement sur un stronghold, là. C'est un stronghold mais vide. Non, je crois pas. Ah ouais, si, ouais, peut-être. Ouais, ouais. Bon, faudrait qu'on juste qu'on trouve ces putains de... Ouais, parce que j'en trouve zéro, là. Ah, par contre, j'ai trouvé un coffre de naufragé. Ce qui... on s'en bat un peu les couilles, mais... Ouais, mais non, c'est pas mal. Ça nous fait toujours un coffre. C'est ça. Le problème, c'est que, bon, je... ça me casse les couilles de le ramener, mais... Ouais, bah moi, j'ai mis le baril sur la plage. Comme ça, je l'oublierai pas. Et je cherche ces putains de squelettes. Mais alors, ouais, ils devaient être... ils doivent être tout en haut. Putain, mais c'est bizarre. Ah, mais t'as réussi à récupérer le baril, finalement? J'en ai trouvé un autre. Hein? Bon bah du coup je vais le ramener d'ailleurs parce que... Bah moi aussi parce que de toute façon faut que j'aille de l'autre côté donc...
Donc le bateau est entre les deux, quoi. Ah, et puis en plus, après, je vais pas tarder à arrêter, donc on ira voir le Stronghold et... Ah, il faut aller voir quand même. Ça va pas marcher de sauter dans l'eau comme ça. Je te vois pas. Je viens de te voir jeter le truc. Mais moi, ah merde, putain. Quoi? Il est tombé, l'enfoiré. Attends, attends, bouge pas. Non. Ah, pardon. J'ai tenté de... Tu veux le tirer en même temps? Pour monter. Et je suis parti beaucoup trop loin. Ok, je suis de l'autre côté dans la flotte. Bah, je suis là. Fais chier, putain. Également. Il y a une ancre là posée sur un rocher. Si on cherche un jour une ancre posée sur un rocher dans cette île, c'est ici. Je l'ai vu. Ouais. Oh, putain, mais j'ai été éjecté trop loin. Franchement, je vois aucun squelette, c'est relou. Ah, mais il faut aller, je pense, tout en haut du pic là. Non, mais comment tu fais pour aller sur ce pic? Bah, je sais pas, j'ai essayé d'y aller en canon, mais ça a pas marché. Oh, ça m'étonnerait qu'il faille sortir le cerveau pour y aller. Bah. Ah, ou peut-être en passant par l'arche, tout simplement. Bah, ouais, ouais, ouais. Du coup, faut retourner de l'autre côté, quoi. Je vais prendre le canon pour aller de l'autre côté. Parce qu'il y a un canon de ce côté-là. Ah, ouais, c'est pas con ça. Comme ça m'a niqué la gueule. Également. Même le jeu se fout de ma gueule avec la musique. Mais merde, t'as réussi à trouver un truc pour monter toi? Ah bah oui, c'est là. Bah là par là on est passé tout à l'heure. Ah, j'ai les squelettes là. Où ça? Bah j'ai entendu les squelettes. Ah, ils sont en bas là. Tu me vois ou pas? Bah je te vois, je suis à côté de toi. Bah comment ça se fait qu'ils sont là? On les a pas vus? Bah je sais pas. Ah, ils sont tous là en plus. Ah, il y en a un qui est violet. Bah, ce serait bien qu'on les viole rapidement. C'est bon, t'as trouvé la blague. Voilà. Moi j'étais parti sur Weinstein dans ma tête, mais. Eh, hey, mais attends, mais là il y a une caisse, ça vaut cher ça. La caisse de thé? Oh putain, caisse de soie exotique. De soie? Ouais. Bon, c'est pas des épices, mais. Pas mal. Ok. Il m'attaque dans le dos, l'autre trou de balle là. Oh, je l'ai raté comme une merde. Putain, j'ai pas de banane. T'as des bananes dans le coin? Pas trop. Putain, y'a un serpent, fais gaffe. Je me méfie parce que les autres ils vont m'attaquer dans le dos. Ah putain, le serpent. Le crâne? Bah je le vois pas, mais je peux essayer. J'ai tué le serpent, je crois. Prends le crâne, prends le crâne. Ah bah c'est de la merde en plus. Ouais, c'est un crâne de merde. Bon, on a une caisse de soie donc Ah, de soie, j'avais compris, de soin. Je me disais des soins quand même, c'est bizarre. Ah non, de soie. La soie. Est-ce que tu veux qu'on aille du coup au Stronghold ou on tente? Bah, on va se diriger vers le Stronghold et il doit y avoir un avant-poste entre et on va. Bah, j'ai rien de sur la gauche, si tu regardes un peu en hauteur, tu vois le baril que j'ai lamentablement fail. Ah oui, et il y a zéro moyen de récupérer. Non, bon, on s'en fout. Bon. Ça restera pour toujours ton échec, un peu comme moi qui viens de tomber de l'échelle comme une merde. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je te suivais. Bah, j'étais en haut de l'échelle et je suis retombé. Attends, je vais monter ça. Faut que je mange, je vais mourir. Alors. Bah, tu penses qu'il y a un avant-poste entre nous et le truc? Bah. Ah merde, pourquoi elle sonne? Ah, mais oui, elle a pas ses clés. J'arrive. Yes. Putain.
Bonjour. Bonjour. Alors, ben, je vois pas où est-ce qu'il est en fait le truc. Je vois pas où Attends, je est-ce nous qu'il est. fous dans l'axe du Stronghold. Voilà. Ouais, mais en fait, il est juste en face et je crois qu'il y a rien entre les deux. Comment ça, y a rien? Bah, il y a une atoll à la con, mais. Je pense qu'il y a rien, hein. Je te laisse regarder la carte. Ah, fait chier. Ouais, le Stronghold, ça doit être ça, je pense. Ah, le chien, ta gueule! Bon, on va aller à Dagger tous, hein, tant pis. Ok. On s'en vide et on trace. Il va falloir que je coupe, moi, parce que là, tu vois. Il est l'heure. Ah, c'est dommage! Il faut que j'aille manger. Passer du temps avec ma bien-aimée. Et dormir. Faut que tu ailles plein sud, hein, sud-ouest. Plein sud-ouest. Bah attends, je vais à Dagger tous là. Bah ouais, c'est ça. C'est pas celui qui est. Ouais. Donc sud-ouest. Et pourquoi elle arrive pas? Ouais, pour éviter les cailloux, hop. Ah, ça devrait être bon. Oh putain, y'a une épave là. Je suis en live avec Sylvain. Hein. C'était un putain d'entraînement de merde. Ah ouais? Non, non, non. Tu veux raconter ça à Sylvain, moi et nos 15 millions d'auditeurs? Du coup, tu t'es arrêté là? Pourquoi? Bah ouais, y'a une épave là. Mais en fait, on est un peu loin. Je la vois pas. Pourquoi t'as une banane? Derrière. Parce que j'ai faim. Évidemment que j'ai une banane. C'est du potassium. Hein? Il va bien, Sylvain? Tu vas bien, Sylvain? Eh oui! Tu l'entends ou pas? À moitié. Et là, tu l'entends mieux? Là, elle parle pas en fait. Donc là, tu l'entends. Ah, pas. D'accord. Ça doit être ça alors. Mais je la vois même pas, l'épave, elle est où? Attends, je vais me fier au mot. Ah, mais y'a même ma soeur qui est passée là. Oh bah ta soeur elle passe à chaque fois. Elle passe, elle m'insulte, elle se casse. Ça, c'est bien ça. Ah, elles sont là. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Bien super. Bon esprit, hein. Il dit bel esprit. Passez le bonjour. Non, mais c'était vraiment. Dis bonjour. C'est vraiment d'entraînement. Tu veux une bière? Je prends une bière. Là, il y en a une. Je pense que je vais. Non, mais pour toi là. Bon, je galère à m'aligner, j'y vais comme ça. Oh la vache, elle est profonde là, cette saloperie. Mais t'es où? Tu peux commencer à relever l'ancre, relever les voiles. Ouais, ouais. Et ça, on sera plus qu'à partir. Putain, mais elle est super. Bon, allez. L'autre, il fait 25 degrés, ça y est, elle est partie en mode barbecue quoi. Putain, mais elle est méga profonde cette épave. Alors, j'ai relevé tout. Je t'attends. Je suis pas côté à côté non plus. Attends. Est-ce que tu penses qu'il faut que je vienne? Non, là je vais faire les cales. Et à la dame? Je sais. Bah, non, je lui ai pas demandé, je lui en ai parlé vite fait. Toi, t'as regardé pour tes impôts ou pas, Sylvain? T'as eu la même chose que moi ou. Non, moi j'ai pas regardé encore. Bah tu regarderas si tu vois deux lignes. Oh tu saoules. Ouais bah ouais. Et bah ce sera il drôle. Il a pas intérêt à cette vautrée. Bah après faut ressortir les vieilles fiches de paie quoi. Bah ouais, celle qui nous donnait pas. Ouais voilà c'est ça. Après putain. Techniquement voilà, moi il y avait 20€ de différence, j'ai pris le chiffre le plus bas, je me suis pas fait chier. Ouais mais bon. Juste pour l'emmerder, je lui demanderai les fiches. Je lui ai demandé aussi. Hein. De toute façon, il y a jusqu'au 25 pour la corriger. Donc,
Ah mais ça y est, je te vois, mais c'est loin quand même. Tu veux que j'essaie de m'en rapprocher ? Ouais, mais en fait, il y a juste un crâne de merde en plus, donc... Ah bon, bah on se casse alors. C'est vraiment... Par contre, on est pile aligné là. Autant aller tout droit derrière. Go, go, go ! Il s'appelle Moukir. Tu sais ce que c'est, toi ? Moi, je connais les Moukis de nez. Bah c'est ça, non ? Les Moukir, tu m'avais pas dit que c'était un truc de nez, ou... Ouais, ouais, c'est de la morve. De la morve ? Ouais, c'est bien ça, les Moukis de nez. Non, moi, je connaissais les Moukis, mais pas les Moukir. Et elle non plus. C'est la Moukir ! La Moukir, pour la morve. La morve. Putain, en plus... Personne ne le fait, ce sera en gold en plus. Bordel, c'est tentant là. Non, on a rencontré personne pour l'instant. Si, on a rencontré des gens. Mais ils étaient nuls. Je les ai oubliés tellement ils étaient nuls. Ah ouais. On a rencontré des gens qui nous ont croisés, qui ont rien fait, qui sont barrés en courant comme des pleutres. Et ensuite, ils ont fait demi-tour, ils ont essayé de venir nous pourchasser une fois qu'ils avaient rendu leur quête. Et ils avaient oublié qu'ils nous avaient prôné 5 minutes avant et du coup, ils étaient en train de couler. Là, je vais frotter, là, non ? Non, c'est bon. Non, non, non. T'étais large, là. Pas trop, hein. J'étais pas si large que ça. Hein. C'est pas du tout où on va. Si, si, c'est ça. Non, non, c'est... Oui, mais c'est plus loin, c'est pas celui-là. Pourquoi ton chien, c'est un chat ? Parce qu'il monte sur les gens ? Ouais, c'est, il veut beaucoup d'amour ce chien, comme moi. C'est un chat. Comme, non pas comme moi. Tu sais que j'entends rien du tout quand tu joues. C'est vrai, t'entends pas la musique là ? Pas du tout. Attends, je vais le faire moi, qu'il y ait un peu de musique. Putain, mais quel jeu de merde. Ah, moi j'entends hein. Bah moi je t'entendais pas. Ah mais c'est peut-être parce que j'ai mute ta voix, du coup ça mute ta musique aussi. Bah non, parce que t'es... moi aussi je t'ai mute. T'as aussi la... le truc de chat barré là. Ouais ouais. Oui ouais. Monsieur. Après on est tous les deux en push to talk et ça a envoyé notre voix quand même donc... Non mais j'entends ce que tu joues là. Je suis arrivé du mauvais côté là, c'est ça ? Totalement. Putain. Pas le tour. Mais si tu veux, je saute déjà là et j'en ramène un peu. Bah non, parce que c'est loin. Ouais, la soie exotique, ça va nous rapporter un peu. Je crois, ouais, que c'est pas mal. C'est ce qu'on va vendre en premier, d'ailleurs. C'est pas mal comme objet de dépôt, ça. Bah là, j'ai le crâne dans la main. Ouais, il y a un conqueur sur la main, moi j'ai le crâne dans la main. Il y a un stronghold juste derrière. Ouais, bah c'est pour ça qu'après, on va aller faire un tour vite fait, quand même. Ouais, mais vite fait, parce qu'après, faut manger, quoi. Ouais. Allez, je vais vendre la caisse de soie. Je suis pas du tout là pour l'encre. Hein. Ouais, ouais, bah je vais échouer le truc là. Il y a Steph Core qui dit salut nounou. Je sais pas pourquoi. Parce que c'était les Animaniacs. Putain de jeunes. Salut nounou. Voilà, tu vois, elle a de la culture. Ouais, bah il dit que t'as de la culture, mais moi j'aime pas les Animaniacs. Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je les ai moins vus, quoi. Bah ouais, c'est voilà. J'étais trop jeune. Ça va revenir d'ailleurs. Ça va revenir ? Ils vont faire un remake ? Ouais. Un rabat. Animaniacs. T'as pris la caisse de soie ? Ouais, ça se vend à qui ? À combien de marchand ? Ouais. Parce que le gars là, il m'a regardé avec son œil de travers et il m'a fait bonjour. Oui. J'ai ouais, bonjour. Ouais. Bah non. Ah non, non pas elle. Putain. Je ne suis pas doué. Alors, combien ça rapporte? 600.
Ouais, 600 quand même. Putain, mais elle est là où là, l'autre pour rendre le crâne là? Putain, c'est trop loin. En plus, on en a plein vraiment. On a une caisse avec une poule, non? Oui. Bah, je vais vendre ça. Parce que c'est plus près. T'as vu, elle nage la poule, elle fait de l'apnée et tout. Ouais, 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 elle se noie aussi. Si tu... Ah ouais, elle se noie si tu restes trop longtemps sous l'eau? Bah, je pense, ouais, parce que j'ai jamais essayé, mais. Pas tellement mal. Pourquoi t'as mal pour moi, Stefcor? De quoi? Stefcor dit j'ai mal pour Pof. Ah. Je pense que c'est parce que t'as pas la référence des Animaniacs. Ah, ouais. La merde. Non. Non, je dis ça pour vous faire chier. Ah non, c'était trop bien. Stefcor il dit comment allez-vous, c'est bon, vous avez enfin fini le One Piece. Le One Piece, on est d'accord que c'est l'amitié. Je sais pas. J'ai jamais regardé One Piece. Je sais même pas ce que c'est. Juste l'hype m'a énervé. C'est toi qui as fait ça là? C'est moi qui ai fait ça, ouais. Je voulais rentrer sur l'île très vite, ça a pas marché. On dirait que t'as fait un OOB. Et tu peux le faire en portant un coffre, ça? J'ai pas essayé parce qu'on a pas de coffre, mais Mais là, tu portais pas un truc là? Non, je portais rien, là. Je venais pour rien. Y'a plus rien à porter. Comment ça, y'a plus rien à porter? Il restait un crâne en haut. En tout cas, ah, mais on avait des crânes en haut? Steph Core, bah, y'a un crâne, y'a un coffre. Bien sûr qu'il y a des trucs à porter, malheureusement. Eh ben, je suis un mauvais pirate. Ah oui, on a un coffre. Bah, je vais regarder si on peut le faire, mais je pense pas. Hein. Non, ce serait très drôle, mais c'est pas possible. Ouais. Parce que le coffre ne rentre pas. Ah oh, putain, ça c'est RP. Putain, mais le crâne à 95, quoi, sans déconner. Bon, là on a plus rien à vendre. Non, normalement. Là, on peut tracer au Stronghold. Putain, il y a personne qui est en train de le faire, c'est sûr quoi. Comment tu le sais? Bah, parce qu'il l'aurait déjà fini là. Allez, on y va. Vas-y, avance, j'arrive. Je suis là. Ah ouais, je suis en train de redresser. Redresser, hop, yes, nickel. Pour moi, le One Piece, c'est l'envie d'aventure plus que l'amitié. Ouais, mais si j'ai bien compris, on n'est pas encore à la fin du... De toute façon, ni du manga, encore moins de l'anime. Mais c'est vrai que les théories de fans, c'est que... En fait, le One Piece, à la fin, ça serait, oui, voilà, l'aventure, l'amitié... Mais pourquoi, c'est quoi? Ils cherchent un truc qui s'appelle le One Piece? En fait, c'est un monde où t'as plein d'îles, et du coup, des pirates. Et si je me trompe pas, en fait, t'as un pirate qui a été extrêmement célèbre, qui était le meilleur pirate de toutes les mers, et en fait, qui avait dit qui a été récupéré par. Qui a été emprisonné par la marine. Ouais. Et qui a été exécuté. Le Pen. Qui a été exécuté, qui a dit bah, de toute façon, mon plus gros trésor, le One Piece. Vous l'aurez jamais. Partez à sa recherche, partez à travers les mers, chercher le One Piece. Mais personne en fait sait ce qu'est le One Piece. Et en fait l'histoire du manga, c'est un jeune pirate qui a dit « Mais moi j'ai trouvé le One Piece » et qui monte son équipage et c'est pour trouver le One Piece. Mais ça a jamais, il me semble, en tout cas de ce que j'avais suivi, que ça n'a jamais été annoncé si c'était un trésor matériel ou immatériel. Et en fait, à force, ça avance tellement sans vraiment définir ce qu'est le One Piece que les gens ont dit, bah, s'il faut, c'est une espèce de pins, comme, tiens, c'est bien. C'est l'amitié, en fait, le One Piece. Mais vous êtes sûr que c'est pas genre
la curiosité, l'homo, l'hétéro, devenir bicurieux entre, entre hommes musclés et virils d'équipage. Non, mais après, si t'as jamais regardé, j'ai pas tout suivi, notamment les dernières saisons, j'ai beaucoup de retard. Mais c'est vrai que le début, en fait, c'est pas mal parce que c'est. T'as pas mal de personnages différents, t'arrives à t'attacher facilement à des personnages et ça alterne pas mal à la fois de l'humour, des scènes où ils se foutent de la bagarre, tu vois, vraiment la bagarre à fond. Ouais, mais ça, en fait, ces animés et mangas de ce style-là, enfin, genre Naruto, One Piece. Pour moi, c'est genre le cliché du truc des gamins qui. Bah, c'est des shonen. Ouais, mais t'as d'autres shonen qui sont quand même moins. Moins clichés et moins. Enfin. Moins bande de fans clichés, en fait. Mais ça, c'est parce qu'en fait, quand. Entre guillemets, les mangas ont plus ou moins éclaté de leur bulle confidentielle. C'était les gros mangas, comme t'avais Naruto, comme t'avais Bleach, comme t'avais One Piece. On va se faire tirer dessus, je pense. J'arrive pas à penser d'autres, mais c'est vrai que de toute façon. Prends la revers, sinon en général les gens font ça. Et GTO aussi. GTO ça a moins explosé, je trouve. Mais parce qu'il y avait moins cette bande. Ça a moins explosé, pourquoi? Parce que c'était un manga qui était fini. C'est-à-dire une fois que ça a explosé en France, il y avait un début, une fin. Ouais, mais putain, faut relever la voile. Faut relever la voile. Il n'y avait pas encore de fin, si tu veux. Donc c'est pas pareil, mais de toute façon, c'est bon, la voile est relevée. Ouais, c'est trop simple de réduire les mangas à One Piece et Naruto. Mais en fait, c'est pas celui-là le Stronghold, là. Les persos féminins aussi forts, importants que les autres. One Piece est moins cliché que le flux des épisodes. C'est vrai, parce que typiquement, tu vois, tu peux avoir un Nico Robin, ou je pense à Nico Robin, à Vandami. Et je pense aussi, je me rappelle plus de son nom, à la reine de l'île des femmes. Enfin, c'était vraiment bien amené. On a la cale qui est à moitié pleine. Hein. Après là, en manga, je suis en train de reprendre. Je l'avais déjà lu, mais je l'ai pas relu parce que j'avais vraiment adoré à l'époque. C'est Monster. Et ça, si tu veux le lire. Tu m'avais dit qu'il était bien. Il est vraiment bien. Quoi. Là, moi j'avais bien aimé Bleach et j'avais regardé genre 3 épisodes de l'anime et j'avais pas lu les trucs. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup de les lire. Disons qu'à un moment. De toute façon, les mangas, pour en avoir discuté avec quelqu'un justement de la section BD au boulot, quand je m'intéressais vraiment, le problème c'est que ça devient très cliché. C'est-à-dire qu'en gros, t'es européen. On dit que tu fais de la BD franco-belge. T'es américain, on dit que tu fais des comics. T'es japonais, on dit que tu fais des mangas. Sauf que tu vois bien que c'est une localisation et pas un petit peu d'histoire, ouais. En fait. Bien sûr. Ça peut être aussi un style de dessin. Entre manga américain. Tu vois, genre Scott Pilgrim, c'est en réalité typé manga. Mais ça se lit dans l'ordre normal. Mais c'est typé manga, oui. Au niveau du style graphique. Et ils appellent ça un roman graphique. Mais juste parce que c'est pas japonais, en fait, sinon ouais. Il dirait manga. Mais comme pour tout, parce que tu vois, t'as les shonen, t'as les shoujo, si je me trompe pas. T'as forcément les parutions qui sont plus, entre guillemets, jeunes filles en fleurs avec... oh mon dieu, mais est-ce que le garçon le plus beau du lycée va enfin voir qui j'ai c'est ça le shoujo. Je crois que c'est plus ça, ouais. Et après, t'as forcément plusieurs courants. Monster, vraiment, j'avais adoré. C'est possible, ça. Je vois rien en face de nous. C'est c'est là-bas. T'as trouvé? Ouais, c'est après l'avant-poste. Ah, le Kilo le Fort? Ouais. Et comme tu vois, en ce moment aussi, je lisais Unread Bullet. Ouais. Qui est un comic, mais qui dans le style fait beaucoup plus thriller, en fait. C'est vraiment un thriller psychologique, un choix moral, qui change pas mal des comics où c'est juste des super-héros qui tapent sur les gens en mode... Ouais, bah oui. Tu diras pas que je vais taper dans le dos.
C'est pour le faire rôter que je suis pas mal. Regarde, ce jeu c'est de la merde. Pourquoi ? Parce que là, il a. Voilà, t'as vu le temps qu'il a mis à charger les... la deuxième ligne d'inventaire ? Je joue un peu de musique hein, parce que je sais pas trop quoi faire. Je crois que je t'entends. Tu entends là la mienne ou quoi ? Attends. Ah bah non. Oh putain. Je sais pas pourquoi je t'entends pas. Moi je t'entends. Bah tu vois, y'a personne à ce putain de fort. Bah ça fait 10 minutes, un quart d'heure qu'il est allumé donc. Ah ouais, en plus ça prend. Allez, un quart d'heure à faire si on est efficace. Ouais, bon, on va faire ça vite. Mais alors, je te conseille. Qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un qui arrive ? Oh, il est trop beau le nuage. Le nuage avec le crâne ? Ouais. Bah, en fait, c'est ce qu'on vise depuis tout à l'heure. Bah, je le remarque que maintenant. Bah, si tu m'as foutu le micro en plein milieu de la figure. Ah, pardon. Ouais. Donc, c'est mais c'était pour que on t'entende. Est-ce que c'est important qu'on m'entende ? Oui, parce que tu dis plein de choses intéressantes qui n'intéressent pas Sylvain, mais c'est parce que il te déteste. C'est quand qu'on fait un apéro ? C'est quand non, qu'on fait un apéro, Sylvain ? Oh bah, je sais pas, moi. Il a dit qu'il savait pas. On fait un apéro dehors ou ici ? Comment ? Non, je lui demande si on fait ça dehors ou ici. Bah, on n'a pas encore testé le Black Lion. Ah oui, c'est vrai, ouais. Voilà. Après, le problème, c'est que si on va pas au fur et à mesure, c'est pas dit que Corban y vienne, quoi. Ouais, mais on s'en fout. Au fur et à mesure ou on va... Non, puis c'est surtout que le fur et à mesure, c'est de la merde, quoi, mec. Ah ouais, j'avoue, c'est vraiment tellement pourri. Tellement le bar de bobo, quoi. Voilà. Ah ouais, non. C'est niqué sur Ben le chien. Écoute... Bon, on essaye de bien accoster ce coup-ci. Ouais, justement, en fait, en général, les gens prennent à revers, mais ça tombe bien parce qu'on est à revers. Parce que justement, ils se prennent pas les boulets de canon comme ça. Ah ouais, mais là, on... En plein sur la gueule. Qu'on se le prend quand même. Je vais ouais. Réparer s'il y a besoin. Il y a besoin. Ouais, ouais, il va y avoir besoin là, je pense. Du coup, bah, je sais pas trop comment on peut faire. Oh là là, j'ai pris un boulet dans la tronche, je suis mort. C'est génial. Quand elle dit c'est génial, elle parle pas de quand t'es mort. Hein. C'est une blague quoi. En fait, elle a mis sa coudière. Faut que tu tires l'encre. Je vais tirer l'encre. Je suis plus là. Hein. J'arrive. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on coule en même temps donc. Ah merde. Ah oui, mais on est carrément plus dessus là. Ah ouais, on a pas fait un quart d'heure de navigation pour crever là, j'espère. Un quart de la navigation, et qu'est-ce qu'il dit ? On a pas fait un quart d'heure de navigation pour crever comme des merdes à ne pas couler. Alors, le problème c'est. Non, il coule totalement là le bateau. Hein. Non, il est mort. Hein. J'arriverai pas à réparer et l'eau est déjà trop haute, je pense. Non, je le sens chavirer. Répare, j'écope. Je répare. Parce que là on n'est pas à portée de canon a priori. Mais si, on est à portée de tir, oui. Tu trouves ? Il faut qu'il y ait un trou dans la coque en bas. Ceux d'en haut on s'en fout. Mais je descends. Bah ouais, bah t'es descendu un peu tard là. Bah ouais, mais bon, tout à. Oh putain, je viens de me prendre le boulet de canon en pleine face. J'arrive pas. Ah ouais, t'as réparé les mauvais trous là, mec. Bah au début j'avais réparé, en fait le truc c'est qu'ils ont repété en bas, parce que j'avais pété en bas pendant que t'étais mort. Mais là c'est mort hein, là on sort hein. Là on est en train de couler hein. On avait des trucs dans... Bah oui, on avait des trucs. Non, on venait de les rendre. Non, on avait plus rien. Bah on s'en fout, on a pas besoin de bateau. Bah comment tu veux ramener le loot après ? Eh bah y'a l'un de nous qui va chercher un bateau après. Ouais, mais ça dépend s'il est loin ou pas, quoi, parce que sinon on doit se retaper un quart d'heure. Non, ça va aller. Tu veux que l'un de nous aille déjà chercher un bateau pendant que l'autre. Bah ouais, il faut attendre d'avoir la sirène. Je vais vers l'île, moi. Ah, elle est là, la sirène. Bon, je vais chercher le bateau. Ouais, bah après, je te garantis pas que je vais pas crever, hein, parce que vu qu'il tire des boulets. Mais non, je vais juste me prendre un boulet en pleine face, mais ça va aller. Bah bizarrement, il tire plus de boulets, j'ai l'impression, quand t'es à pied. Ah bah oui, il tire que sur les bateaux. Bah mais c'est con. Alors...
je vois le crâne. Et ben je suis là, là où il y a le crâne. Ce qui est bien, c'est que j'ai deux bananes. Et que la dernière fois, j'ai tenu 20 secondes. Je vais rester un peu parallépipède. Genre, je les laisse venir à moi. Ouais, ouais. Oh putain, directement, en pleine face. Connard. Je me demande s'il y a des... Ah, je suis pas très loin, ça va. S'il y a des bananes dans le coin. Je suis pas certain. Écoute, c'est bien parce qu'en fait, je suis arrivé à un endroit où il n'y a pas trop de mecs. Bon, le problème, c'est qu'ils viennent vers moi, mais il n'y en a pas trop. Genre, ils sont 2-3 à venir. C'est étonnant qu'il y ait personne qui fasse ce fort là. C'est très bizarre, hein. Bah. Je fais mon possible pour pas mourir. Pour l'instant, je meurs pas, mais je les tue pas non plus, donc c'est chiant. De toute façon, il y a quelques vagues hein, quand même. Mais... Il y a quelques vagues. De squelettes. Ah, mais là, je parle pas de vagues, hein. Là, je parle juste. Oh putain, il m'a buté. J'ai pas eu le temps de manger un truc. Bah, tu vas repop sur le bateau. Ouais, oui. Ça me fait chier. Comme ça, on va essayer d'accoster. Proprement. Ouais. Bah, limite, essaye d'accoster là où j'étais parce que. Bah, tu sais pas où j'étais, mais. Ouais. Parce que. J'étais à la droite de. Enfin, à gauche, à sa gauche de la tête de squelette. Parce que, en fait, j'ai buté déjà le squelette qui était sur le. Sur le truc qui tirait des boulets de canon. Ouais, mais j'ai l'impression que la tête elle s'incline vers toi donc. Ah non, je pense pas. Tu penses? Oh bah si, moi elle est toujours de face. Ah oui, peut-être. Bah c'est loin là. Comment ça se fait? Je vais faire la voile. Non, mais je venais de la mettre bien là. Ah pardon. Bah en gros on était derrière hein, globalement. Mais là on va se les prendre en pleine face. Bah je vais aller réparer du mieux que je peux. Oh mais comment ils font pour nous toucher chaque fois? Ah! Putain j'ai encore failli le prendre en pleine gueule quoi. Le problème c'est qu'en fait ils vont continuer à tirer et que le seul moyen c'est qu'il y en ait un qui aille les buter. Et on va pas pouvoir faire ça. Parce qu'en plus ils répètent les trous que je répare. Il tire tout le temps au même endroit. Et là, le bateau, il est parti en vrac d'un coup là. Ouais, ouais, ouais. Là, on s'est lamentablement. Je sais pas ce qui se passe en haut, mais il y a trois trous. Bah, j'ai échoué le bateau dans le. Ah bah, si tu as échoué, c'est bon. Ça veut dire qu'on va pas bouger. S'il nous tire plus dessus, il nous tire plus dessus, j'ai l'impression. Ouais, ouais. Je les ai calmés là. Tu les as calmés comment? Bah j'ai foncé dans l'île et du coup ils se sont dit ok d'accord. Ah bah on peut leur tirer un peu dessus avec un boulet de canon peut-être. Ouais. Mais non mais je voulais pas monter dans le canon. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah y'a des bananes là. C'est moi qui bon le but, ça sert le à but rien. C'est de tuer les squelettes quand même. Ah mais t'es allé pile à l'endroit où je te disais en fait. Là où j'en avais déjà buté un. Hein. J'imagine qu'il faut aller dans cette arène en fait. Là, ils sont un peu partout en fait. Putain là ils ont tous des flingues les bâtards. Bah là il y en a quelques-uns qui en ont.
Oh putain, ils m'ont buté. Je sais pas si ça va nous prendre un quart d'heure et moi j'avais envie de partir. C'est dommage. Parce que si on meurt en boucle, ça va juste être chiant quoi. Ah putain. Ouais, mais il faut. En fait, il faudrait prendre un bidon et. Enfin, un truc de poudre, les rassembler tous autour, tirer dedans et nettoyer comme ça quoi. Mais... Ouais, mais s'il y a plusieurs vagues à deux, on en a pour pas un quart d'heure. T'en as déjà fait une? Pas de vagues, hein, je parle de. T'as déjà fait un fort? Non, non. Bah, ça se trouve, ça met plus d'un quart d'heure. Ouais. Faut être efficace. Putain, fait chier parce qu'en plus, on était peinards là. Moi, j'ai l'impression qu'il faut aller au centre. Hein. Non, non, ils sont partout. De toute façon, c'est une vague de squelettes. Il faut juste les buter tous pour avoir accès à la prochaine vague, etc. etc. Et parce qu'ils popent au centre. Ah, en fait, tu veux dire qu'en fait, ils pop un peu partout. Mais le coffre va être au centre, non? Parce que j'ai déjà vu un coffre. Enfin. Ah, oui, le coffre, oui, il sera au centre. Il faut. En fait, ils te lootent la clé, eux. Du coup. Bah sinon j'ai trouvé une technique parce que là je suis en haut de mon escalier et ils viennent tous me voir et je les bute en ligne. Un par un? Ouais. Bon ils sont très lents à venir hein. Ah putain, y'en a un qui m'a tiré dans le dos aussi, j'avais pas prévu ça. Les doués qui m'a tiré dessus. Hop, je prépare des barils là. Tu veux que j'en ramène? J'en ai un là. Bon après, non mais c'est bon, j'en ai assez là je pense. Mais attends, ils sont tous avec toi les squelettes ou quoi? Bah j'espère pas parce que je vais crever sinon. Bah parce que moi j'en ai aucun sur ma route là. Bah t'avais tout ça avec moi en bas okay. Alors. Ok, non ils sont... Ils, en fait ils avaient juste pas compris quand j'étais monté pour venir. Et du coup ouais ils étaient tous avec toi plus ou moins quoi. Tiens bah si tu peux les ramener, ramène-les sur le baril, là. Tu veux dire sur le baril qui va exploser quand ils vont me tirer dessus? Ah, qui n'a pas explosé. Il me tire tous dessus là. Putain, mais il pète pas ce con de baril. Ah, là il a pété. Là il a pété, mais là je l'ai pris dans la gueule. Et toi, tu l'as pris ou pas? Ouais, moi je l'ai pris dans la gueule. Ouais, moi aussi. Ah, t'es mort aussi? Ouais. Oh putain. Là. Bon, bah je crois que c'est mal barré, hein. Ah, je t'entends. Fallait qu'on meure. Cool. Attends. Bon, en plus il fait nuit, donc là on va se taper les ombres, donc c'est pas la peine. Les ombres, c'est quoi ça? C'est des squelettes... Faut qu'il y en ait un qui les éclaire à la lanterne pour qu'on puisse les buter. Et c'est que dans les forts ou c'est partout? Non, c'est dans les forts. Ah ok. Parce que j'avais jamais vu ça. Oh putain, mais moi, je suis déjà en train de prendre cher, je viens juste d'arriver, j'ai même pas de banane dans la main donc... Ah non, laisse tomber, ça va être trop cher. Tu fais 3 pas, tu te fais buter, c'est bon. Putain, mais comment ils coupent le dash? Non mais il est bugué leur dash, c'est horrible. Je laisse appuyer, ça marche pas. Bon bah ouais, laisse tomber, tant pis. C'est mort. Allez hop, je reste même pas. Non. Oh putain le gars. Allez, pareil. Bon, beaucoup trop long. Bah merci quand même pour cette partie. On a gagné plein d'argent, pas beaucoup d'XP parce que c'était bugué. Ouais, on aura amassé un petit peu, mais bon. Ouais, un peu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.
Eh bien, carrément. Passe une très bonne soirée. Et Allez, on bon se recontacte dans notre taverne habituelle afin d'organiser des sorties et des virées dans des bars. Tout à fait, c'est normal. Putain, qu'est-ce que t'es en train de foutre sur ton stream là? Il y a, oui, le bruit du chien qui pleure, oui, parce que je sais pas, il remarque qu'il y a de l'activité et il fait oh mon dieu. Non, non, mais ton stream c'est un multi. Ouais, je m'amuse. C'est magnifique. Bonne nuit. Allez, ciao, bonne nuit. Ciao.